Donc, on va démarrer par cette question des droits de propriété intellectuelle. Donc, c'est une question, bien sûr, très, enfin, qui était très présente. On a vu avec Didier Grimbach, elle a expliqué aussi avec la Rodnitz, qui avait réuni ses confrères couturiers en 1897 pour lutter contre la copie allemande et autrichienne. On retrouve encore les rivalités intra-européennes. Mais c'est une question qui, je pense, mérite un nouveau, enfin, on le pense, et on l'a vu à travers la proposition que l'on a reçue, mérite un nouveau regard, et vous verrez, parce que la pratique des maisons culturelles est assez étonnante, comme vous allez l'entendre, et donc cette pratique peut-être va apporter un éclairage théorique nouveau. Donc Géraldine Blanche, vous terminez votre thèse de doctorat en droit, donc je crois que vous êtes la unique juriste à intervenir dans ce séminaire, à Sciences Po Paris, vous intervenez à Sciences Po Paris, on se croise en fait à chaque fois qu'on a un séminaire sur la propriété intellectuelle et c'est logique. Donc je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Je vais juste démarrer en disant if any of you have any questions in English, I mean, feel free to ask. The presentation is going to be in French, but if you need any specific explanations, feel free to ask me during the break. Donc, je vais passer au français. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. J'aime bien toujours commencer en expliquant que je suis assez surprise d'être là. J'étais avocate pendant un certain nombre d'années, jamais je pensais un jour faire une thèse. Et en fait, c'est en commençant à enseigner à des jeunes couturiers, à des jeunes créateurs, que j'ai commencé à pousser un peu ma réflexion de praticienne pure de la propriété intellectuelle dans des grands cabinets anglo-saxons vers cette question de droit de la mode. Voilà. Donc, pour vous expliquer un peu, je vais boucler la boucle à la fin, pour que vous compreniez que finalement, toute ma thèse tourne autour de ces jeunes créateurs et de l'avenir que l'on peut donner à la couture par le droit. Alors, déjà, je vais me permettre de faire juste quelques petits rappels juridiques. Je vais essayer de ne pas trop peser avec de la législation ronflante, etc. Mais j'aimerais juste replacer un peu dans le contexte juridique l'objet juridique que peut être la mode. Alors, en termes de propriété intellectuelle, juste pour se replacer historiquement, les premières vraies législations protectrices que l'on retrouve commencent tout d'abord en Europe avec le statut d'Anne en 1710. C'est le premier statut, donc ça c'est au Royaume-Uni, enfin en Angleterre. C'est la première législation qui est vraiment assez protectrice et qui parle d'auteur et de droit d'auteur. En 1787, on va de l'autre côté de l'Atlantique. Vous retrouvez dans l'article 1, section 8 de la Constitution américaine, il y a ce qu'on appelle le Copyright Clause, et c'est clairement écrit que l'auteur et l'inventeur doivent pouvoir bénéficier d'un certain nombre de droits. Donc ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans toute l'économie américaine et on va dire l'approche très capitaliste américaine. Et en France, il faut l'abolition des privilèges et 7 lois révolutionnaires qui sont passées entre 1791 et 1793 pour avoir une reconnaissance des droits de propriété intellectuelle pour les auteurs, bon, et les créateurs. Alors, un droit de propriété intellectuelle, pourquoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, l'idée des droits de propriété intellectuelle, c'est de promouvoir la créativité. Pourquoi? Parce que tout acte créatif nécessite du temps, nécessite de l'argent. Et pour cela, l'État va dire, on va récompenser ce travail et ce temps-là en vous octroyant en forme de monopole, que ce soit sous forme de brevet, que ce soit sous forme de droit d'auteur, dans une mesure un peu plus tard, le droit des marques. Et l'idée, c'est que grâce à ce monopole, qui est quand même quelque chose de très exceptionnel sur un marché, vous allez pouvoir récupérer potentiellement votre investissement de départ, éventuellement faire un profit si ça fonctionne bien. Et grâce à ce profit, bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez potentiellement réinvestir pour continuer à créer, pour continuer à peindre, à écrire, à inventer. Voilà. Donc c'est un peu tout ce processus-là que j'aimerais vous garder un peu en tête. C'est la raison d'être des droits de propriété intellectuelle. On va voir plus tard que tout ce rationnel-là a un peu explosé aujourd'hui. Alors, propriété intellectuelle et mode, on parle de quoi? Alors,
Tout d'abord, je vais juste brièvement rappeler un peu les trois grands principaux. Vous avez le droit des brevets, donc tout ce qui va être invention, acte inventif. Alors, en mode, où est-ce qu'on trouve des brevets? Eh bien, on en trouve pas mal. Qu'est-ce que je vous ai déniché? Je vous ai déniché un petit système de fermeture, une demande de brevet européen pour système d'ouverture et fermeture déposée par Hermès en 2015 auprès de l'Office européen des brevets. Et qui est donc un système de fermeture et d'ouverture potentiellement, on peut imaginer, pour de la maroquinerie. Donc voilà un bel exemple de brevet dans l'industrie de la mode. Mais on en trouve essentiellement beaucoup dans tout ce qui va être textile et tissu intelligent. Si par exemple on prend un textile végétal d'Elisa Strozik, vous allez avoir beaucoup de brevets dans ce domaine-là. Toutes ces technologies vont se retrouver dans des tissus, dans des méthodes de fabrication. Et si vous allez vous balader sur le site de l'INPI ou sur le site de l'Office européen des brevets, vous allez trouver un certain nombre de brevets comme ça. Voilà. Alors, voilà pour les brevets. Autre droit, le droit d'auteur. Alors, le droit d'auteur, ça protège quoi? Ça protège les œuvres littéraires et artistiques. Bon. Alors, ceci dit, en mode, œuvre littéraire et artistique, très bien, là on connaît tous la robe Mondrian. Alors, le tableau lui-même est une œuvre littéraire et artistique, et vous avez la robe qui, elle-même, est-elle une œuvre littéraire et artistique? Alors, c'est toute la question dans la mode. Est-ce que la mode est peut-être protégée par le droit d'auteur? Est-ce que c'est une œuvre littéraire et artistique? Alors, dans une certaine mesure, quand on prend par exemple des œuvres d'Iris van Herpen, oui, ça peut être considéré comme une œuvre littéraire artistique. Bon, un gilet tout bête, est-ce que c'est considéré comme une œuvre littéraire artistique? Et ça, c'est une question absolument fondamentale quand on pense aux droits de propriété intellectuelle et à la mode. Alors, une autre, mais je reviendrai plus particulièrement sur ce droit d'auteur dans quelques minutes. Enfin, le droit des marques. Alors, le droit des marques, on connaît tous, peut prendre différentes formes. Ça peut être des logos, ça peut être des slogans, ça peut être le nom d'une entreprise, ça peut être une couleur. Ça, c'est la marque déposée couleur de la société Tiffany, qui s'appelle le bleu Tiffany. Voilà, vous avez le orange d'Hermès, le rouge de Louboutin qui a créé tant de problèmes à de nombreux cabinets d'avocats. Voilà. Donc le droit des marques est un petit peu différent du droit d'auteur et du droit des brevets, parce que l'idée de la marque, c'est de permettre aux consommateurs de faire la différence entre deux produits. J'achète, je sais pas, un sac Hermès et j'achète un sac H&M. En tant que consommateur, je sais faire la différence, je peux identifier grâce à cette marque la différence de produits. La même chose pour les services. Bon. Alors, une fois ce petit détour fait par les bases de la propriété intellectuelle, la question se pose de la gestion de ces droits dans l'industrie de la mode. Et alors là, on se retrouve face à un grand problème, c'est que malgré toutes les bonnes volontés d'harmonisation de droits de la propriété intellectuelle, il y a de nombreuses tentatives, il y a la Convention de Berne sur la protection des œuvres littéraires et artistiques de 1886, donc ça a commencé assez tôt. Vous avez beaucoup de législation européenne qui peut-être à un moment ou à un autre a voulu mettre fin un peu aux dissensions à l'échelle européenne. Malgré toutes ces tentatives, les droits de la propriété intellectuelle demeurent étatiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des législations, on va dire à l'échelle européenne par exemple, une tentative d'harmonisation, un juge en Italie ou un juge en France ne va pas forcément rendre la même décision, ne va pas avoir forcément la même interprétation de ce qu'est l'originalité, etc., etc. Et c'est bien toute la problématique de l'industrie. C'est comment gérer dans une industrie qui est complètement globale des droits radicalement différemment utilisés d'un pays à un autre. Alors, j'aimerais particulièrement prendre comme exemple la question des droits d'auteur entre la France et les États-Unis. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent un peu ces différences-là, mais j'aime bien prendre ces deux exemples parce que ce sont deux pays avec des industries très fortes et très présentes dans leurs économies respectives. Eh bien, figurez-vous qu'en France, la mode est considérée comme une œuvre littéraire et artistique. C'est reconnu, la jurisprudence est constante depuis un grand nombre d'années en la matière. La mode est considérée comme une œuvre littéraire et artistique qui doit pouvoir être protégée. En revanche, aux États-Unis,
La mode n'est pas du tout protégée par le droit d'auteur. C'est-à-dire que on peut vous copier, vous n'avez aucun moyen, vous n'avez aucun recours juridique. Pourquoi ? Parce que le vêtement est utilitaire, en tout cas la jurisprudence est constante en la matière, le vêtement est purement utilitaire, fonctionnel, et donc ne constitue pas une œuvre littéraire et artistique susceptible d'être protégée par le droit d'auteur. Alors, en commençant un peu mes différentes petites recherches, il faut un peu regarder le pourquoi du comment, pourquoi on en est arrivé à ces deux antipodes-là. Eh bien, il faut regarder un petit peu l'histoire de la propriété intellectuelle. En France, il y a eu donc un certain nombre de législations, mais à la base, l'idée, c'était de se dire que, bon, la mode est... Ce sont des objets qui ne constituent pas vraiment une création au sens véritable. C'est des créations fugaces qui n'ont pas vraiment lieu d'être protégées. On retrouve ça, c'est Eugène Pouillet dans son traité théorique et pratique des dessins et modèles qui l'explique très bien. Il y avait bien une loi de 1806 qui était très protectrice des droits de propriété intellectuelle, mais la jurisprudence et les juges avaient beaucoup de mal à appliquer cette législation aux vêtements. Pour eux, les articles de mode étaient éphémères et fantaisistes. Et donc ne pouvait pas faire l'objet de protection. C'est là que, bien évidemment, tout a changé avec Monsieur Charles Wirth, comme il aimait bien se faire appeler. Et c'est là où tout a basculé. Parce que finalement, en apportant sa griffe, en se réclamant artiste, en signant ses toiles, donc ses vêtements de sa griffe, de sa signature, il a fait complètement basculer toute la jurisprudence. Alors, ça a mis un petit peu de temps. Mais il y a eu un très fort lobbying de cette génération de créateurs qui se considéraient comme des artistes. Et bien évidemment, cela a eu un impact sur la législation. Il y a eu beaucoup de lobbying. On sait très bien que, en ce qui concerne, par exemple, Madeleine Vionnet, qui a été une forte influence en la matière, et bien la loi du 11 mars 1902, qui a consacré la théorie de l'unité de l'art. C'est très important. C'est une loi qui a expliqué qu'il n'y avait aucune distinction à faire entre les œuvres d'art pur et les œuvres d'art appliqué. Et donc, bien évidemment, les premières jurisprudences sont passées en ce qui concernait les vêtements. Et bien évidemment, dès, par exemple, l'arrêt du 1905, Paquin contre Bert, et bien la jurisprudence reconnaît que le droit de propriété intellectuelle, de droit d'auteur, est applicable aux vêtements. S'en est suivi beaucoup de jurisprudence, je ne vais pas faire toute une liste, qui a conclu par, grâce au lobbying de la Chambre syndicale, par une loi du 12 mars 1952 sur la protection des créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure. Alors, aujourd'hui, il y a eu une refonte, il y a eu la création du code de propriété intellectuelle, juste pour que vous sachiez un peu. Aujourd'hui, il y a donc l'article de la CPI, du code de la propriété intellectuelle, c'est l'article 112.2, qui, dans son alinéa 14, nous explique bien que les créations des industries saisonnières de l'habillement et de la parure sont considérées comme l'œuvre œuvre de l'esprit et donc protégeables par le code de la propriété intellectuelle et par le droit d'auteur. Voilà, donc c'est intéressant de comprendre que la France a proposé toute une série de législations au fur et à mesure où son industrie s'est construite et où il fallait protéger ses nouveaux artistes. Alors, aux États-Unis, c'est le contraire. Vous avez les contrefacteurs de la 7e Avenue, alors la fameuse robe des petits chevaux de Madeleine Vionnet et sa copie de la 7e Avenue. Et que s'est-il passé aux États-Unis ? Eh bien, la raison pour laquelle la protection est très faible, c'est que il n'y a pas... Pardon, la raison pour laquelle la protection est très faible est tout simplement parce que l'industrie était faite sur la copie. Et donc sur la copie des créations européennes. Donc à partir du moment où vous avez ça, la jurisprudence va partir dans le sens complètement inverse et va dire... Il n'y a pas de protection pour la forme, le style, le design. Le vêtement est purement utilitaire. Pensez à un col de chemise. Pourquoi peut-on protéger un col de chemise pour la vie de l'auteur plus 70 ans maintenant? Ça n'a aucun sens. C'est non artistique, c'est non protégeable. C'est tout le débat, une fois encore, de la protection du droit d'auteur. Est-ce que c'est un objet artistique? Est-ce que c'est purement utilitaire? Et donc, vous avez aux deux antipodes la France et les États-Unis. Alors, cette date tombe très bien parce que figurez-vous que cette semaine, mardi dernier, il y a eu une grande jurisprudence de la Cour suprême américaine
qui est venu. Alors, la Cour suprême américaine, c'est le grand gourou du droit aux États-Unis et qui, de temps en temps, pioche un certain nombre de... choisit un certain nombre de cas selon ses envies, selon la situation du droit, s'il y a des choses à trancher ou pas, s'ils estiment qu'il est temps de trancher une question. Eh bien, la Cour suprême, dans un cas, donc Star Athletica contre Varsity Brands, c'était une question de... Pom-Pom Girls, de Cheerleaders, et le chevron, si vous voulez, de C-Design. Donc c'était deux... Alors, il faut savoir que le marché des Pom-Pom Girls et des uniformes de Pom-Pom Girls aux États-Unis, c'est des milliards. C'est très, très important. Et donc, la Cour suprême s'est saisie de cette question-là. Et sa décision, la décision a été rendue mardi dernier. Donc, ça tombe très bien. Et finalement, la Cour suprême a eu une décision que je trouve qui confirme un peu la jurisprudence américaine. C'est un peu du mi-figue, mi-raisin. On y trouve un peu ce qu'on veut, mais au final, je pense que ça n'aura pas grand impact. Je vous explique pourquoi. Ils ont confirmé ce qui s'appelle la théorie de la séparabilité. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez une ceinture et que vous voulez protéger cette ceinture par le droit d'auteur, si la boucle de la ceinture constitue une œuvre qui est séparable de la fonction utilitaire de la ceinture, eh bien, cette petite partie-là, artistique, sera protégée par le droit d'auteur. La ceinture, en revanche, non. Alors, c'était toute la question, est-ce que ces chevrons de Pom-Pom Girls peuvent constituer une œuvre séparable de l'uniforme, qui a une fonction propre d'uniforme dans son contexte d'utilisation de Cheerleaders et de Pom-Pom Girls. Bon. Et la Cour suprême a dit que les chevrons étaient, oui, séparables, et que pouvaient constituer des œuvres à deux dimensions, protégeables par le droit d'auteur. Alors, c'est assez surprenant parce que toute la question de... en fait, ils prennent la question de la séparabilité et en disant que le chevron n'a aucune fonction dans l'uniforme, ça pose des questions sur l'applicabilité, sur tous les arts appliqués après. Vous allez avoir, par exemple, sur une voiture, un simple petit trait. Est-ce que ce trait est séparable de la fonction de la voiture et peut-être protégeable par le droit d'auteur ? C'est très flou et je suis assez surprise que la Cour suprême ait rendu cet avis-là parce que les juristes vont s'arracher les cheveux, mais tant mieux, peut-être que ça leur permettra d'augmenter les heures dans leurs factures, leurs heures de facturation. Néanmoins, les motifs sont des créations séparables de la fonction de l'uniforme et donc protégeables par le droit d'auteur. Bon. Alors, tout ça pour vous dire qu'en est-il finalement de la pertinence de ces droits aujourd'hui ? Alors, l'industrie, quand on regarde, l'industrie de la haute couture notamment, est-ce qu'en France, aux États-Unis, avec toutes ces complications d'échanges d'un pays à un autre, comment s'en sortent-ils ? Eh bien, ils ne s'en sortent pas, ils juste n'utilisent absolument pas les droits de propriété intellectuelle, ou en tout cas le droit d'auteur. Le droit des marques, oui, dans une certaine mesure. Mais le droit de propriété intellectuelle de droit d'auteur, c'est trop compliqué, ça change d'un pays à un autre. Et n'oubliez pas une chose, le droit d'auteur, comme je vous l'ai indiqué, est valable pour la vie de l'auteur plus 70 ans. Est-ce que dans une industrie, même la haute couture, qui va à une rapidité, il y a je ne sais plus combien de collections par an maintenant, 6, 8, croisières, etc., etc., comment voulez-vous protéger ces œuvres-là pour la vie de l'auteur plus 70 ans ? C'est quelque chose qui est très compliqué. Et donc, la haute couture a décidé de juste ne pas s'en occuper. Potentiellement l'utilisation des marques, c'est par exemple, j'aime toujours donner cet exemple, je pense que c'est intéressant de savoir que Louis Vuitton dès le début a mis son logo sur beaucoup de ses malles et qu'on retrouve maintenant sur tous les sacs parce que c'est bien plus facile d'agir en contrefaçon de marque qu'en contrefaçon de droit d'auteur. Et la contrefaçon de marque, ça, vous la retrouvez un peu partout à travers le monde. En revanche, la forme d'un sac, c'est beaucoup plus difficile. Donc, l'industrie, en tout cas de la haute couture, n'utilise que très peu le droit d'auteur. Alors, comment ça se fait que devant les tribunaux, par exemple en France, devant le TGI, tribunal de grande instance en France, il y a environ 60% des litiges qui ont affaire à la mode. Alors, qui utilise ces droits en termes de droit d'auteur ? Alors, qui a recours aux droits d'auteur ?
Eh bien, figurez-vous que ce n'est donc pas la haute couture, mais ce sont un certain nombre de marques, on va dire, de grandes enseignes de prêt-à-porter. Et je l'ai vécu en tant qu'avocate. Je me retrouvais avec des entreprises type, je peux dire maintenant ce qu'il y a prescription, mais ça pouvait être des Zara, des H&M, des Esprit, un certain nombre de marques comme ça, qui se lancent des litiges les uns contre les autres en permanence, juste pour... de façon concurrentielle, pour essayer de récupérer, glaner des informations, embêter un peu le concurrent. Alors, quand on revient à la source de la propriété intellectuelle, ces outils-là qui sont supposés être là pour protéger et promouvoir la créativité, on peut se poser la question de la pertinence de ces droits de propriété intellectuelle tels qu'ils sont utilisés aujourd'hui de façon concurrentielle. Et c'est un peu tout le but, c'est complètement le but de ma recherche actuellement à l'école de droit de Sciences Po, c'est que je me pose la question, il y a un acteur qui n'utilise absolument aucun des droits de propriété intellectuelle, et c'est le jeune créateur, c'est le créateur émergent. Et donc c'est toute la question, c'est-à-dire que ces droits de propriété intellectuelle ont été mis en place pour promouvoir la créativité, promouvoir des jeunes créateurs qui doivent pouvoir récupérer leur investissement de départ. Et aujourd'hui, demander à tous les jeunes créateurs, j'ai plein d'exemples dans mes étudiants, des étudiants qui se font prendre leur design, vont à des rendez-vous avec des grandes marques qui sont potentiellement intéressées par leur portfolio de création, on leur dit merci beaucoup, c'est génial, on vous rappelle, on les rappelle pas, et leurs vêtements et leurs créations sont présentes dans les grandes enseignes. Bref, ces jeunes-là, ces créateurs émergents sont justement ceux pour lesquels il doit y avoir une forme de protection. La plupart d'entre eux débutent, même s'ils ont un peu de financement, ils n'ont pas encore la force de la marque derrière eux. Ce ne sont pas des maisons de haute couture qui ont bénéficié de ces droits-là dans les années 50, 60, qui ont pu construire une réputation. Ils ont tout à construire et ce sont ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas utiliser parce que bien évidemment, il y a une question de réputation. Si le jeune créateur émergent va commencer... S'il a les moyens, à engager des poursuites judiciaires qui vont durer, au mieux, on va dire 2-3 ans, sa réputation va en prendre un sacré coup. Et donc, c'est toute la question de ma recherche actuellement, c'est de se poser la question, de se dire, bon, ces droits de propriété intellectuelle ont été créés pour une raison spécifique. Aujourd'hui, ces raisons-là ont été complètement détournés et sont utilisés par d'autres types d'acteurs que ceux qui doivent pouvoir en bénéficier. Et donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme droit de propriété intellectuelle pour le 21e siècle, pour ces jeunes créateurs émergents? Est-ce qu'on dit, comme il y a aux États-Unis, on dit pas de protection, parce que moins il y a de protection, plus ça oblige à continuer à créer et ça favorise une créativité. Plus on vous copie, plus on va chercher à créer de nouvelles choses. Ou alors, est-ce qu'on peut imaginer d'autres formes juridiques? Alors, je pense par exemple au droit des contrats. Est-ce que par un biais de droit des contrats, on peut avoir un autre système de protection? Donc, je n'ai pas la réponse. Je continue à étudier toute cette question-là. Mais j'espère de tout cœur que la haute couture, en tout cas, va comprendre que son futur dépend de la protection qu'elle donne aux jeunes créateurs. Il y a un certain nombre de maisons qui vont prendre un certain nombre de jeunes créateurs sous leurs ailes ou de jeunes créateurs qui vont bénéficier de leurs marques qui ont une certaine réputation. Mais je pense et j'en appelle un peu à la communauté pour réfléchir à un nouveau système parce que si on veut promouvoir la créativité, il faut que ces droits de propriété intellectuelle, si on décide de les continuer ou de les adapter, doivent être, à mon avis, mieux adaptés à ces jeunes créateurs et un peu moins utilisés par un certain nombre de marques de prêt-à-porter grand public qui ne sont pas forcément les lieux de la créativité, le siège de la créativité, tel qu'on la considère aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Bien, alors
La deuxième intervention, elle a un lien et elle ouvre aussi, elle pose de nouvelles questions. Donc, elle a un lien avec les interventions d'hier et de ce matin, puisqu'on va notamment beaucoup parler de. On va parler des créateurs de mode du début du XXe siècle. Elle regroupe ce qui est beaucoup, enfin, ce qui fait l'objet de souvent beaucoup d'articles de journaux, mais très rarement de recherches, c'est l'idée de ce qu'il appelle les belles endormies, c'est-à-dire des maisons qui ont eu une importance économique très forte à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, et qui soit ne sont plus présentes du tout commercialement, soit décident de revenir. Notamment, en général, ça débute souvent par une inscription au calendrier des idées parisiens en général. Donc, il nous semblait très intéressant d'avoir une intervention sur ce thème, de grouper une intervention qui analyserait plusieurs de ces initiatives. Bon, d'autre part, Johanna, on vous connaissait, puisqu'on avait, entendu vos présentations, et j'avais pu entendre votre soutenance de thèse d'école à l'école des Chartes sur Jean Patou, et ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est que vous aviez eu accès à un grand nombre d'archives, donc déjà il y avait des données primaires qui étaient très très importantes, mais c'était tout ça était rendu avec précision et également avec analyse. Donc on était très heureux de savoir que vous poursuiviez cela par une thèse de doctorat, mais en élargissant à d'autres couturiers. Donc j'ai cru comprendre que la thèse était remise et que vous suiviez au mois d'août. Donc ça c'est très bien, félicitations. Mais on est ravis de vous entendre sur ce sujet, un sujet plus large qui va au-delà de Jean Patou et qui mais surtout je crois la manière dont vous travaillez, c'est que vous travaillez beaucoup à partir d'archives, avec la méthode je pense que vous avez à l'école des Chartes, et qui est finalement assez rare dans notre domaine déjà de dire on ne travaille que sur des données primaires et on récolte un maximum, on a une approche scientifique et ensuite on en fait une analyse. Merci David, merci Géraldine pour cette excellente présentation avec beaucoup d'énergie, donc je suggère que vous gardiez cette énergie avec vous. C'est un challenge pour moi de parler après elle. Et c'est aussi un challenge pour moi de parler en français aujourd'hui. Donc je suis française, mais j'ai effectué ma thèse de doctorat à l'université d'Oslo en anglais. Et j'ai toujours présenté mes travaux en anglais. Donc on va voir ce que ça donne aujourd'hui. Je vais lancer le chronomètre pour essayer de rester dans les temps. Donc, comme le mentionnait David, en juillet 2011, quand je terminais d'écrire ma thèse d'école des Chartes sur la maison Jean Patou dans l'entre-deux-guerres, la société britannique Designer Parfum a racheté la marque Jean Patou pour redynamiser la parfumerie qui avait continué d'exister, mais aussi avec l'idée de relancer soit la haute couture, soit une ligne de mode plutôt située dans le luxe. Et à cette époque-là, j'étais vraiment abasourdie. Comment est-il possible en 2011 de relancer Jean Patou après 25 ans d'interruption ? Qui ferait ça ? Pourquoi ? Enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc c'est à partir de ce moment-là, donc de 2011, que j'ai eu l'idée de ma thèse de doctorat, que j'ai réalisée, donc ce qu'on appelle les belles endormies ou sleeping beauties en anglais. Et je me suis focalisée dans ma thèse sur trois exemples, donc la maison Patou bien évidemment, mais aussi la maison Schiaparelli que David mentionnait, et la maison Madeleine Vionnet. Bon, c'est les trois principales maisons que j'ai regardées, mais j'ai aussi abordé d'autres maisons comme Wörth, par exemple, Rochas, un certain nombre de maisons que je mentionnerai par la suite. Et donc l'idée, c'est que je voulais comprendre les mécanismes qui sous-tendent donc, la réintroduction des marques de haute couture sur le marché contemporain. Et la nouvelle page d'histoire de ces maisons est souvent mentionnée en dernière ligne d'un ouvrage ou d'un article sur une maison, un peu en passant, et souvent avec beaucoup de mépris, en disant que cette nouvelle initiative ne pourra jamais être à la hauteur de la maison originale. Et je me suis dit, moi je trouve que cette initiative, elle est intéressante à étudier en tant que telle. Et c'est donc ces résultats que je vais essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc j'ai essayé de mettre toute ma thèse en 25 minutes, ce qui... peut-être que j'arriverai pas au bout de cette présentation, peut-être que je serai obligée de m'interrompre, mais en tout cas, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à venir me voir.
Donc, La Belle au Bois Dormant, donc, vous connaissez tous ce conte, ça raconte l'histoire d'une princesse qui trouve le bonheur dans son rôle d'épouse et de mère après un baiser magique du prince charmant qui la réveille d'un sommeil de 100 ans. Donc, les versions les plus connues, ce sont celles de Charles Perrault, des frères Grimm, mais aussi de Walt Disney, pourquoi pas. Et La Belle au Bois Dormant, donc, elle incarne ce caractère féminin passif par excellence. En fait, elle est tellement passive en réalité qu'elle est réveillée par un protagoniste masculin. Et ce conte, donc, qui renforce la répartition genrée des rôles sociaux, a donné lieu à de nombreuses critiques de la part des féministes et des chercheurs en histoire du genre. Mais ce motif, il s'avère être parfait pour représenter donc, tous les phénomènes qui incluent une longue période de léthargie, telle que le retour des maisons de haute couture. Alors, j'ai fait le PowerPoint en anglais, en me disant que si je n'arrive plus à parler français, j'ai de quoi me rapprocher, et aussi donc, pour les non-francophones. Ce que je vais dire donc, n'est pas forcément ce qui est écrit sur le texte, juste pour vous prévenir. Donc, je voudrais commencer par définir exactement ce que sont les belles endormies, puisque effectivement, il y a eu beaucoup d'ouvrages, d'articles dans la presse, et c'est une notion qui est souvent très floue, ou en tout cas, on catalogue un certain nombre de maisons qui ne sont pas forcément, d'après moi, des belles endormies. Donc, les belles endormies, ce sont des maisons de haute couture qui ont été réintroduites sur le marché après que de nouveaux entrepreneurs et créateurs les ont réveillées de longues années de léthargie. On parle de belles endormies pour la haute couture, mais il y a aussi d'autres marques qui ont été réveillées, notamment, par exemple, je pense à Blancpain pour l'industrie de la montre suisse ou l'allemand Maybach pour les voitures de luxe. Donc, le terme a été d'abord employé par les managers de ces belles endormies avant d'être repris par la presse. Personne n'a vraiment revendiqué l'invention de ce terme ou l'application de ce terme aux belles endormies de la haute couture. Le premier exemple que j'ai pu trouver dans la presse, donc c'est un exemple de 2000, c'est un article qui est publié à la fois dans le New York Times et dans le International Herald Tribune. Et cette métaphore, depuis 2000, elle a été reprise par de nombreux journalistes, des analystes financiers, etc. Et la raison pour laquelle donc, ce terme est utilisé, c'est parce que c'est une belle histoire. Tout le monde la connaît et c'est quelque chose qui va, en quelque sorte, enrober l'histoire de ces maisons. Je voudrais faire une petite précision pour délimiter entre fashion revival and fashion rejuvenation, c'est-à-dire entre belles endormies en tant que telles et entre maisons qui ont périclité, puis qui ont connu une seconde vigueur. Cette différence, pour moi, elle est importante. Elle est importante puisque d'avoir une rupture des acteurs principaux, c'est-à-dire des entrepreneurs et des couturiers, ça donne lieu à des situations qui sont complètement différentes, notamment du point de vue de la légitimité de la marque sur le marché. Donc c'est pour ça que je fais une différence, par exemple, avec le retour de Chanel en 1954. Pour moi, Chanel n'est pas une belle endormie. Bon, après, on peut en discuter, on peut en débattre. Mais l'intérêt de faire cette distinction, c'est de voir que la marque de Belle Endormie qui revient sur le marché, elle n'a pas l'individu qui l'a lancée à l'époque et elle n'a personne en tant que membre de la famille ou entrepreneur qui reste impliqué dans cette affaire. Alors, comme je vous le disais, donc, le terme est apparu dans les années 2000 dans la presse. En revanche, le phénomène des belles endormies, il remonte à bien avant. Et donc, le premier cas que j'ai pu repérer, donc, c'est le cas de la maison Wörth dans les années 60. Ensuite, il faut attendre 10 ans plus tard et le cas de la maison Schiaparelli à la fin des années 70. Puis le phénomène prend de l'ampleur dans les années 80 avec Balenciaga, Cher 8, Vionnet. Dans les années 90, s'y ajoute Fath. Et dans les années 2000, vraiment, il y a de nouveau, le phénomène prend une nouvelle ampleur. Et il y a aussi l'apparition donc, d'intermédiaires, comme la maison Luvanis. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, c'est une société qui est basée au Luxembourg et qui, en fait, est un intermédiaire entre toutes ces marques éteintes
et des entrepreneurs qui sont intéressés pour les relancer. Donc ça veut dire que Luvanis a racheté tout un certain nombre de marques, je crois qu'il y en a 76 à l'heure actuelle qui sont justement sur des marques inscrites sur EIPO. Et donc je vais juste... Et une de ces marques, c'est Doucet. Donc Doucet a un propriétaire depuis 2012 qui est Luvanis. Donc on n'est pas... peut-être que la marque Doucet va un jour revenir sur le devant de la scène, c'est une possibilité. Et hier après-midi, on a eu plusieurs exposés de marques qui avaient disparu, comme Augusta Bernard ou Robert Piguet. Augusta Bernard aussi a été déposée par Luvanis. Et ce sont vraiment les marques qui intéressent ces entrepreneurs. Alors, je ne sais pas si c'est très visible, c'était un choix de police assez douteux. Du coup, c'était pour vous donner un aperçu des bandes chronologiques, des noms des acteurs qui ont vraiment repris les belles endormies. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Après, c'était juste donc, ce qui apparaît Lee 77-79 avec Guido Sassoli de Bianchi. Et donc, c'est avant le renouveau par Diego de la Vallée. Donc, je voulais juste faire cette clarification. Du coup, ce qui est intéressant aussi de noter, c'est que l'évolution du phénomène des belles endormies est parallèle à une évolution du langage. Donc la première Sleeping Beauty, donc, c'est à la fin des années 60, c'est Wörth. Et à ce moment-là, la presse parle avec un vocabulaire très neutre. Donc c'est une réouverture, c'est une relance. Et donc il n'y a pas du tout cette dimension de belles endormies. Donc ça ouvre, la marque réouvre à Londres par un entrepreneur qui s'appelle Sidney Masson et qui engage une équipe de designers dont le directeur artistique est Ilan Booker, que vous voyez ici en photo. Et donc c'est le premier couturier noir de l'histoire de la couture anglaise. C'est un Américain. Et il va dessiner donc toutes les collections de haute couture de Wörth de 68 à 70. Donc là, vous avez des exemples sur cette photo de 1969. Et Booker, ça n'a vraiment aucun rapport donc, avec les créations de Wörth au 19e siècle, dont on a pu voir plusieurs exemples lors des présentations hier. Et l'idée, c'est vraiment d'être dans une mode qui est plus... sexualisé, qui est plus dans le mouvement hippie de cette fin des années 60, avec, comme on le voit ici, donc une ouverture de la combinaison jusque loin et quelque chose de très moulé, etc. Donc là, ce sont d'autres modèles d'Ilan Booker. J'en ai mis pas mal, puisque je pense pas qu'en fait, ce sont des images qui sont très connues. C'est des choses qui... quand j'ai commencé ma recherche, je n'avais absolument aucune idée que cette maison avait été rouverte à la fin des années 60. C'est vraiment un épisode méconnu de la maison. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de vous donner un aperçu. Et donc, c'était un renouveau qui a duré très peu. En fait, ça a duré 2 ans pour la haute couture. Et ensuite, il y a eu un petit peu de prêt-à-porter et la marque a périclité et s'est arrêtée en 1991. Ça a été repris par un nouvel entrepreneur, lui aussi britannique, qui s'appelle Martin McCarthy et qui s'associe à Dilesh Mehta en 1999, qui lui avait acheté la marque de parfum. Et donc, à partir de ce moment-là, les deux acteurs vont se regrouper pour faire revivre la maison Wörth une deuxième fois. Et en 2003, donc, ils font appel à Giovanni Bedin, qui est un couturier italien qui a travaillé chez Karl Lagerfeld et chez Thierry Mugler, avec cette collection capsule de couture lingerie, qui est aussi tout à fait spéciale et qui essaye de faire écho à l'histoire de la maison Wörth un petit peu plus. Et donc l'idée, je vous le disais, donc dans les années 60, il y a un vocabulaire neutre pour décrire les maisons, les belles endormies. À partir des années 70, on change de vocabulaire. Donc on est plutôt dans la mort et la résurrection. Donc c'est plutôt l'image du phénix qui renaît de ses cendres. Et à partir des années 2000, comme on le voit ici, donc on est vraiment dans les belles endormies. Et c'est vraiment l'institutionnalisation du phénomène de renouveau des marques de haute couture. Et donc, entre cette marque de lingerie en 2003, cette capsule de lingerie en 2003 et cette
collection de couture en 2010. Donc c'est le temps pour la maison de se relancer, de retrouver des partenaires, de retrouver des locaux, etc. C'est le même couturier, c'est Giovanni Bedin. Et en 2010, on le voit, il y a vraiment l'idée de se réapproprier son passé et l'idée de puiser dans la marque, dans son histoire, pour en faire un atout dans la communication et dans la création. Et cette capsule, elle est plutôt bien reçue. Cette capsule de couture, en 2010, elle est plutôt bien reçue. Suzy Minkes, on dit beaucoup de bien, par exemple. Mais en revanche, la collection suivante, qui reste plutôt dans le domaine du costume, est assez mal reçue. Et à partir de là, la marque ne marchera pas. Et elle s'arrête en 2013. Donc ça, c'était juste pour vous montrer. Ils ont aussi fait du prêt-à-porter qui s'inspirait de leur collection de haute couture, bien qu'ils n'aient évidemment pas eu l'appellation haute couture, ils s'appelaient juste couture. Et du coup, pour vous mettre vraiment en parallèle, donc les années 60 et les années 2010, on a quand même... Évidemment, c'est des designers différents, c'est des périodes différentes, mais on a quand même deux approches à la marque historique qui sont tout à fait différentes. Donc, pourquoi avoir choisi les belles endormies? Pourquoi utiliser cette métaphore, non seulement dans la presse, mais aussi par les managers? Et donc, l'idée, c'est qu'avec la métaphore des belles endormies, on passe d'une période de succès, donc qui était l'entre-deux-guerres, par exemple, pour Jean Patou, Elsa Schiaparelli et Madeleine Vionnet, à une période de succès à l'époque contemporaine. Et donc, de cette façon, on occulte complètement l'échec de la fermeture de la maison et toutes les années de silence entre deux. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez astucieux du point de vue de la communication, évidemment. Et c'est donc une façon d'avoir un récit du succès. Et c'est d'autant plus important pour nous, historiens, de déconstruire ces narrations de l'industrie que justement elles sont mises en valeur en permanence du côté des managers. Également, donc, c'est la métaphore du conte se traduit facilement dans plusieurs langages, mais aussi le conte reste connu dans de nombreux pays. C'est un des contes les plus connus à l'international et cela permet donc à ces managers de s'exporter facilement avec une histoire qui est toute prête et qui est en quelque sorte compréhensible par tous les consommateurs. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est donc me servir de cette métaphore comme un instrument analytique et regarder justement comment est constitué donc ce business model et qu'est-ce que nous, on peut apporter avec notre regard critique donc sur les belles endormies. Et donc, comme je vous le disais, donc cette industrie, elle repose largement sur un récit du succès, alors que l'échec est vraiment au centre de ce business model, puisque si l'entreprise n'avait pas échoué d'abord, elle n'aurait jamais pu être lancée. Donc c'est vraiment, par essence, elle est fondée sur un échec. Et donc l'idée, c'est que cet échec, il va aussi apporter une rupture dans le modèle traditionnel des entreprises. Donc il y a la création, l'ascension, puis le déclin ou la crise et la fermeture. Et là, on est dans un modèle qui est différent et qui se renouvelle et qui était jusqu'alors inconnu. Ce que je voudrais mentionner également, c'est le fait que hier, donc, on a eu le cas de Piguet. Et la personne qui parlait de Piguet insistait sur le fait que ce n'était pas forcément un échec de terminer une maison de couture après des années d'activité. Moi, je pense qu'il faut faire une distinction entre, d'un côté, l'échec de l'entreprise, qui est un échec, qui amène du chômage, qui ne génère plus de profit pour la haute couture nationale, pour l'économie, etc., et l'échec de l'entrepreneur. Il n'y a pas forcément d'échec de l'entrepreneur. On peut très bien finir sa maison de couture, avoir un certain nombre de finances, partir à la retraite, enfin, toutes les situations sont possibles, se reconvertir. Enfin, on connaît le cas de Thierry Mugler, par exemple. Donc, l'échec de l'entreprise n'est pas forcément synonyme d'échec du couturier et de ses financiers. Ensuite, donc...
Un autre avantage donc de la métaphore des belles endormies, c'est celle du baiser. Donc je vous avais mis un extrait de Charles Perrault, mais on n'est pas obligé de rester là-dessus. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment on peut réouvrir ces maisons de couture. Et un simple baiser de l'entrepreneur n'est évidemment pas suffisant. Du coup, j'ai vraiment cherché à savoir comment on pourrait conceptualiser ce renouveau. Et je me suis aperçue que, tout simplement, le capital culturel de Bourdieu était un outil excessivement pratique pour regarder les belles endormies. Et donc, l'idée, c'est qu'une marque, une marque de haute couture, elle a un capital culturel objectifié. Donc, Bourdieu différencie entre différents types de capital. Et le capital culturel objectifié, donc c'est celui qui en est les objets, comme cette bouteille d'eau. Mais dans le cas d'une marque, donc c'est un objet immatériel en quelque sorte, intangible. Et donc l'idée, c'est que pour réactiver une marque de haute couture, il faut se réapproprier ce capital culturel objectifié matériellement. Donc c'est-à-dire, il faut racheter les droits de la propriété intellectuelle et industrielle dont Géraldine nous parlait juste auparavant. Donc ça, c'est vraiment la première étape et l'étape indispensable pour ce type de business model. Et ensuite, il faut se réapproprier ce capital culturel symboliquement. Et l'idée, c'est véritablement que les entrepreneurs, quand ils rachètent ces marques, ils ont un seul avantage compétitif, c'est l'histoire de la marque. Donc c'est comment ils vont se réapproprier cette histoire, qu'est-ce qu'ils vont en faire, et comment ils vont, de façon stratégique, la mettre en œuvre. Pour continuer, encore et toujours sur cette métaphore en tant qu'instrument analytique, donc ça permet aussi d'analyser les différents acteurs qui sont impliqués dans ce commerce. Et donc le prince charmant, donc l'entrepreneur, donc une figure excessivement importante. Et donc au cours de ma recherche, j'ai rencontré donc de nombreux entrepreneurs que j'ai interviewés. David parlait des archives privées et publiques, mais cette fois j'ai aussi interviewé, je suis sortie de mes archives et j'ai été parler à ces managers et ces entrepreneurs. Et mes résultats montrent, c'est qu'il n'y a pas un seul profil d'entrepreneurs en belles endormies. Ce sont des gens de tous horizons, de toute nationalité. On a des Français, des Anglais, des Italiens, des Kazakhs, enfin vraiment de toute nationalité, avec des formations très différentes. Il y a des avocats, il y a des ingénieurs textiles, il y a Diego Della Valle qui possède un empire du luxe et qui a commencé avec la chaussure en Italie. Il y a vraiment tout type de profil. Donc ce sont des gens qui n'ont pas forcément les mêmes capacités financières ni les mêmes compétences managériales. Et donc ça donne aussi des renouveaux de belles endormies qui sont très différentes d'un cas à l'autre. Une chose en revanche que tous ces entrepreneurs avaient en commun, c'est qu'évidemment ils cherchent à faire du profit, comme tout entrepreneur dans toute industrie, mais ils partageaient aussi une passion pour les marques qu'ils voulaient relancer. Et ça, c'est quelque chose qui apparaît très clairement dans les interviews. Et j'avais sélectionné quelques citations que je ne vais pas vous lire. Mais vraiment, on peut trouver ce genre de phrase. Je trouve que Madeleine Vionnet a révolutionné la mode, elle m'a grandement inspirée, etc. Ça revient très fréquemment dans le langage des entrepreneurs. Et donc maintenant, je voudrais passer donc, à la question des créations de mode, du design de ces maisons. Puisque quand j'ai commencé, je m'intéressais à Patou, Vionnet et Schiaparelli, et me suis demandé si le renouveau de ces maisons n'entraînait pas un phénomène de renouveau art déco, en quelque sorte. Est-ce qu'on n'avait pas un retour d'une période qui était en train de se passer? Bon, et en fait, pas du tout. C'était pas du tout une bonne hypothèse. En réalité, ce qui se passe, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que plutôt que de faire allusion à un style, la garçonne, la mode glamour, enfin peu importe comment on veut appeler ces styles génériques, les marques cherchent à prendre uniquement ce qui était distinctif au sein de la création du fondateur de la marque.
Et donc en langage marketing, l'ADN de la marque qui revient vraiment souvent aussi dans les interviews. Et donc ces nouvelles créations vont faire référence à la fois donc, à la personnalité du fondateur, à certaines créations iconiques, à des techniques, le biais pour Madeleine Vionnet par exemple, ou à une philosophie du design. Et il y a très peu de rééditions de produits en tant que tels. En général, c'est plutôt une réinterprétation et une réutilisation qui est couplée avec d'autres inspirations. Et le but des Belles Endormies, c'est vraiment pas de créer une mode période, enfin, c'est pas de faire du rétro, au contraire, c'est de proposer une mode qui soit contemporaine pour les clientes actuelles de la couture et qui s'inspire plus ou moins... plus ou moins légèrement, de ce passé historique. Donc, je vous ai mis quelques photos pour illustrer donc, ce que je viens de dire. Ici, c'est une robe de Vionnet par Sofia Kokosalaki, donc en 2007. Et elle essayait vraiment de... Elle essayait de s'inspirer de Madeleine Vionnet, non pas dans les designs, enfin dans les modèles en tant que tels, mais plutôt dans la coupe en biais, une mode qui soit plutôt fluide, et qui soit dans une silhouette allongée. Ça, c'est donc le designer suivant chez Madeleine Vionnet, donc c'est Marco Dibé, qui, qui est très connu encore dans l'industrie pour sa passion pour Madeleine Vionnet depuis qu'il a débuté, qui intervient de temps en temps à l'IFM. Il a aussi également pris ce parti pris de faire la coupe en biais, de faire des choses qui soient fluides et simples et qui s'inspirent de Vionnet. Ça, c'est le designer suivant, donc c'est Rodolfo Paglialunga. Donc, c'est quand la maison est passée de Paris à Milan en 2009. Et là, on a quelque chose de tout à fait différent. Donc, on a une mode, peut-être, que l'on peut qualifier d'italienne. On a Monsieur Marco Belfanti qui pourra peut-être nous dire quelque chose à ce propos. Et c'est vraiment une mode qui est tout à fait différente. En revanche, Rodolfo Paglialunga, en 2009, assiste à l'exposition, à la grande exposition qu'il y avait aux arts décoratifs sur Madeleine Vionnet. Et il est beaucoup marqué par cette idée de designer à partir de formes basiques, le carré, le cercle, etc. Et il paraîtrait que ses vêtements peuvent aussi se découper en carré une fois qu'ils sont avant d'être assemblés. Donc l'inspiration, elle est plus indirecte, on va dire. Ce qui est intéressant de noter, c'est que parfois, l'inspiration est revendiquée, mais ne transparaît pas dans les modèles. C'est vraiment purement un avantage pour la communication. Et parfois, au contraire, on voit vraiment une inspiration dans les modèles quand on connaît les modèles, mais cette inspiration n'est pas revendiquée par la maison. On a vraiment tout un éventail de réinterprétation de ces modèles. Donc là, c'est donc Barbara et Lucia Croce, qui sont les designers qui suivent Rodolfo Paglialunga à Vionnet. Et qui l'inspiration, soi-disant, serait donc de l'art antique et de Madeleine Vionnet, le drapé, etc. Et ici, en revanche, donc on a donc la robe que nous montrait Géraldine un peu plus tôt, ça n'aurait pas pu mieux tomber, et une réinterprétation de 2014 par Goga Ashkenazi, donc qui est l'actuelle propriétaire, mais qui est aussi directrice artistique de la marque. Et l'idée, donc, c'est qu'elle prend ce motif très connu, donc des petits chevaux de Madeleine Vionnet, et elle l'intègre à une création contemporaine. Ce qui est assez intéressant, c'est que cette robe des petits chevaux, elle n'est pas du tout montrée, par exemple, dans le dossier pour la presse. Donc ça veut dire que si les journalistes ou si le consommateur n'a pas cette connaissance préalable, ce n'est pas quelque chose qu'il notera. Donc c'est plutôt une inspiration, en quelque sorte, que vraiment un avantage pour la communication. Et ça, donc, je suis désolée pour la qualité de ces images, j'ai pas eu le temps de trouver en meilleure qualité. Mais ça, donc, c'est Hussein Kalayan pour Vionnet, toujours. Et donc, ça, c'est. Il a designé deux demi-coutures collections avant d'intégrer le studio. Et l'idée, c'était de faire une mode plus avant-garde et de s'inspirer du côté leader de Madeleine Vionnet, donc de la personnalité du créateur, davantage que de sa philosophie de mode. Bon, j'ai une tonne d'exemples, on ne va pas s'attarder. Ça, c'est ce qui apparaît dans les années 70, La Croix en 2013, Zanini l'année suivante, Guyon,
Bon, voilà, j'avais mis. Et donc ça, c'était le seul exemple que j'ai pu trouver de réédition d'un produit. Donc c'est ce novembre 2016, la veste Zodiac. Il me reste combien ? C'est fini. Bah, je termine sur ça, du coup. L'idée, donc, c'est qu'il y a un héritage de mode des couturiers. Donc, il y a la participation active du couturier dans le façonnement de cet héritage. Donc, hier, justement, quelqu'un parlait d'Augusta Bernard et de la façon dont elle n'avait pas participé activement au façonnement de cet héritage. Ici, j'ai eu des couturiers variés. Madeleine Vionnier et Schiaparelli avaient toutes les deux donné leur collection à des institutions publiques. Donc, cet héritage, il existe. Il est plus facile pour les marques à utiliser aussi. Et les marques vraiment se servent de façon tout à fait différente de cet héritage selon leur orientation stratégique, selon ce qu'elles veulent faire passer. Et l'idée, c'est qu'elles ont un storytelling qui peut s'inspirer de l'histoire, qui peut être des faits historiques, mais aussi une réinterprétation des faits historiques ou une invention de faits historiques. Et en général, les marques combinent ces trois possibilités à la fois. Donc, ce qui est très intéressant pour les historiens, pour rechercher qu'est-ce qui est plutôt du storytelling, de l'histoire, comment l'histoire est réécrite et dans quel but. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'avais juste deux photos. Donc, ça, c'était Schiaparelli qui a donné sa collection au Musée d'art de Philadelphie en 69. L'exposition Schiaparelli Prada en 2012, à laquelle Diego Della Valle a participé. Diego de la Vallée c'était vraiment avait voulu interagir avec cette histoire. La question c'est de savoir si c'est un business model qui est légitime ou pas. On pourra en discuter plus tard, je vais laisser ma place. Merci beaucoup. Paul Poiret, on le retrouve 11 ans après l'avoir vu ce matin à Budapest, puisque là on le voit aux États-Unis en 1921. Donc ça c'est plutôt pour l'anecdote, mais c'est intéressant de voir cette progression. Sur le fond, ce qui est très intéressant, ce qui nous a intéressé dans cette proposition, c'est qu'on avait dans ce parcours d'un couturier de l'époque, compte tenu tout de même de ce panorama de post-première guerre mondiale où on a toujours un monopole de fait de la haute couture parisienne, il n'y a pas de concurrence de la haute couture parisienne, il n'y en a pas en Europe, il n'y en a pas aux États-Unis, mais on a un monde qui n'est quand même totalement pas placé, on l'a vu de manière très marquante ce matin, sous le signe de la liberté du commerce international. En fait, il y a quand même des obstacles aux échanges internationaux. Et donc, on a vu la manière dont Poiret avait plus ou moins contourné ces obstacles ce matin en Europe centrale en 1911. Là, une autre manière de contourner cet obstacle, on va le voir tout de suite avec les États-Unis, on le reverra juste après la pause avec le Japon, c'est l'alliance, en fait. C'est l'alliance. Donc, Caroline de Klippel, votre intitulé, c'est très modeste, s'intitule Paul Poiret et Joseph, une alliance courte mais significative. Je pense que c'est forcément significatif, puisque l'alliance, on le voit, est quand même une solution pour être de manière pérenne sur un marché au moins extra-européen, américain ou japonais. Vous nous faites cette présentation, vous allez nous faire incessamment cette présentation. Par ailleurs, vous êtes conservateur du musée de la mode à Salto, Belgique. D'accord, merci David pour cette introduction. Bonjour tout le monde. Avant de commencer, merci au comité du colloque de m'accueillir ici et de me donner l'occasion de partager quelques idées sur un épisode ignoré de la vie et l'œuvre de Paul Poiret. Plus particulièrement, il s'agit de son alliance avec la firme du textile new-yorkaise Joseph dans les années 1921-1922 et de la signification de celle-ci dans le cadre de l'unique stratégie de marketing de Paul Poiret. À partir d'articles de Women's Wear, cette conférence explore la signification de cet intermédiaire pour la distribution de la signature et du nom de Poiret aux États-Unis.
Afin de pouvoir établir l'unicité de cette association, il est censé de la situer dans le contexte culturel et socio-économique franco-américain en général et celui de la vision commerciale de Poiré en particulier. Il va sans dire que Paul Poiré est un de ces couturiers exceptionnels qui ont changé le cours de l'histoire de la mode une fois pour toutes. Son innovation était double, aussi bien technique que commerciale. Puis après le tournant du siècle, il lance une vision tout à fait nouvelle sur le corps et sur la création de la mode. Il libère la femme du corset serré en S qui avait persisté incessamment depuis la Renaissance. Au lieu, il lui donne une silhouette linéaire et confortable qui présente des réminiscences aux lignes étroites et à la platitude du kimono japonais, du chiton grec et du caftan africain et du Moyen-Orient. Dans cette nouvelle vision sur la corporalité et sur l'habillement, il n'est pas seul. Madeleine Vionnet aussi fait avancer la silhouette sans corset. Mais c'est lui qui est le plus associé avec le nouveau style par son unique sens de publicité. Ainsi, il est le premier couturier qui aligne la vente des vêtements féminins avec les articles de luxe, comme le parfum et l'aménagement intérieur. Ce faisant, Poiré s'est défini non seulement comme couturier, mais aussi comme marque de luxe. En 1911, il créa deux entreprises, du nom de ses deux filles. Tout d'abord, il y a Martine. C'est une firme d'art décoratif qui se diversifie dans papier peint, tapis, ferrerie, broderie et imprimé. Issu de cet atelier est le tissu de ce manteau de chambre à gauche, en velours avec imprimé floral qui fait partie de notre collection. La deuxième entreprise produit des parfums et s'appelle Parfum de Rosine. Nancy Troy a prouvé de façon convaincante qu'une partie cruciale de la stratégie de marque de Poiré consiste à se positionner soi-même comme un artiste inspiré et mécène des arts, et ses créations comme des œuvres d'art. En s'enveloppant d'une aura d'originalité artistique, il veut d'un côté se distancier de la masse et de l'autre s'adresser à une clientèle fortunée et discrète. Paradoxalement, l'entrelacement et les caractères mutuellement renforçants de ses poursuites de collectionneur d'une part et ses diverses activités entrepreneuriales d'autre part frappent les observateurs contemporains comme une stratégie de marketing géniale. Par conséquent, il a toute l'attention de la presse, il touche un large public et crée un goût apparemment inextinguible pour ses robes, non seulement en France, et dans l'Europe continentale, mais aussi et surtout aux États-Unis. Dans ma conférence, j'aimerais m'attarder sur ce dernier aspect. Déjà avant la Première Guerre mondiale, sa réputation précède Poiré aux États-Unis. Ses collections originales et innovateurs y sont très demandées. Entreprenant qu'il est, Poiré profite de cette popularité afin d'augmenter sa vente en Amérique par des stratégies bien astucieuses. Si après un bref compte-rendu des plus frappantes. Tout d'abord, il y a son utilisation, bien conçue, du théâtre comme un outil de promotion pour la haute couture. Le plus connu est le Minaret, une comédie représentée pour la première fois à Paris en 1913. C'est une histoire romantique, conventionnelle, située dans un cadre oriental, assez cliché et évoquant l'atmosphère des mille et une nuits. Pour cette occasion, Poiré créa une centaine de costumes qui, avec la scénographie, immergent le public dans un spectacle raffiné. Pour Poiré, c'était la plateforme idéale pour promouvoir sa fameuse robe abat-jour que vous voyez dans les deux photos, créant de la sorte un goût pour ses robes dans un cadre apparemment non commercial. En automne de cette même année, il continue cette campagne aux États-Unis. Il inspire les grands magasins comme Jimbells et Wanamaker's à organiser des défilés avec les silhouettes style Minaret dans un cadre qui reproduit les sets de la production parisienne. Et ceci afin de renforcer l'authenticité des robes qu'ils vendent. De cette façon, le théâtre est devenu une sorte d'alibi pour dissimuler la mentalité commerciale de Poiré et pour souligner le statut artistique de ses silhouettes. C'est une stratégie de marketing qui brouille les frontières entre art et publicité
entre théâtre dramatique et défilé de mode. Poiret ne serait pas par Poiret s'il laisse quelque chose au hasard. Au moment même où ses vêtements sont écoulés sur le marché américain, il part en tournée le long des métropoles de ce pays. New York, Philadelphia, Boston, Chicago, etc. Avec quel but? Selon ses dires, il y est en tant que touriste, sans aucun but commercial. La vérité est tout autre. Pendant sa visite, il donne des conférences illustrées de ses propres produits dans les grands magasins, à Columbia University, à Carnegie Hall et dans sa propre suite au Plaza Hotel. Lors de son voyage, Poiret est accompagné de sa femme Denise. Elle emporte un coffre rempli de 100 silhouettes pour une période inférieure à un mois. Il est clair qu'il ne s'agit pas de sa garde-robe quotidienne, mais de modèles destinés à la vente que Denise porte en tant que modèle vivant. Une troisième stratégie éprouvée. Finalement, il conclut des accords avec plusieurs parties. Ainsi, il s'engage à fournir des articles illustrés à Harper's Bazaar et il licencie la firme Larry Mate West à produire et vendre des adaptations de blues. Bref, avant la Première Guerre mondiale, Poiret aborde de façon très efficace le marché américain. Dû à une campagne en relations publiques brillante, il évolue d'artiste de classe supérieure à un couturier du marché de masse américain. Cette popularité accrue a un effet immédiat sur la vente de ses robes aux États-Unis. Néanmoins, ce succès n'est pas sans désavantage. Pendant son voyage de 1913 déjà, il est consterné lorsqu'il découvre que ses créations exclusives sont copiées à grande échelle à prix réduit. Poiret répond immédiatement par une réaction protectionniste. Il consulte son avocat pour savoir comment il peut se protéger et poursuivre les falsificateurs. En plus, il crée le syndicat de défense de la grande couture française. Le problème est que le système juridique aux États-Unis diffère de celui de la France. En France, la mode est comprise comme un vrai art. Aux États-Unis, par contre, elle est considérée comme un produit de consommation ordinaire. Par conséquent, selon la loi américaine, la création, le modèle, ne peut pas être protégé, uniquement la griffe. Pendant la guerre, Poiret est forcé de réduire drastiquement ses opérations commerciales. Malgré la guerre et malgré sa frustration concernant l'abus endémique de son nom, il continue sa recherche de méthodes pour vendre ses pièces aux États-Unis. En 1916, ça y est. Dans les pages de Vogue, il annonce une nouvelle collection, soi-disant produite exclusivement pour les femmes de l'Amérique. Il s'agit de reproductions autorisées et, terme important, authentiques. La collection Printemps 1917 est présentée dans une brochure illustrée de photos. Il s'agit de 14 silhouettes à prix démocratique, de 7,5 à 90 dollars. Et ceci pour différents moments de la journée et destiné à la femme de la classe moyenne. Il s'agit d'une nouvelle expérience avec tarification modérée et production de masse licenciée. Vous voyez ici deux exemples de ces silhouettes qui ont des noms assez fantaisistes. Simplicité, assez important, parce qu'ils mettent beaucoup d'accent sur les silhouettes simples et croisades. Les griffes créées spécialement pour cette collection garantissent l'originalité et doivent exclure l'abus. Le but est de vendre ces brochures aux grandes surfaces américaines. Ses financiers sont très optimistes et lui promettent un grand bénéfice. Malheureusement, le projet prometteur de Poiret Inc., avec un bureau à New York City, est de très courte durée, puisque les États-Unis entrent en guerre le 6 avril 1917. Jusqu'à présent, l'opinion existe qu'après la guerre, Poiret manquait de moyens et de volonté pour s'adapter à la nouvelle situation commerciale
de la mode, la consommation de masse et aussi les vêtements pratiques qui ont été stimulés pendant la guerre, comme par Chanel par exemple. Et on croyait aussi que cela durera jusqu'à la fin de 1922, avant qu'il tentera une nouvelle chance sur le marché américain. La vérité est autre. Pendant la Première Guerre mondiale, quand l'industrie de mode parisienne est isolée par l'occupation allemande, aux États-Unis, un mouvement se dessine qui tente de développer une industrie de création américaine. Dans l'entre-deux-guerres, cette campagne pour la promotion du style américain s'accélère. Un des entrepreneurs qui engage la lutte est Milton Wolf, président de Joseph. Joseph est une entreprise de textile new-yorkaise située sur Fifth Avenue. Elle est réputée pour sa défense d'une couture américaine indépendante. Dès lors, c'était une révélation effective pour la presse de mode que précisément cette firme annonçait au cours de l'été 1920 et juste avant le début des semaines de mode parisienne qu'il s'embarqua avec Poiret pour la collection de l'automne et l'hiver 1921. Milton Wolf affirme que c'est la première fois en 10 ans qu'il importe des modèles français parce que à ses propres dires, préalablement, il a voulu soutenir complètement le développement de style américain. Et ici, quelques passages de Women's Wear que je vous lis. Josephs have secured the exclusive agency in the United States for Poiret models. The representative of the couturier admitted that the entire collection would be shown in New York in September. Action taken by Paul Poiret to establish an exclusive American agency is looked upon as a step to be followed by other houses in Paris couture. It is believed that it is the best way to combat copyists and get collections before the American women in proper quantities and amid appropriate settings. The move will also permit the American women, it was said, to pass fair judgment on French styles. Ces fragments montrent plusieurs choses. Tout d'abord, il devient clair que malgré l'appel nationaliste aux États-Unis à un style américain, Paris continue d'être la référence et en plus continue d'être reconnu comme tel par les connaisseurs et amateurs de mode américains. Qui plus est, lorsque les pays européens et les États-Unis se rétablissent de la Grande Guerre, la demande de produits de mode parisien prend un essor sans précédent, tant que les maisons ne peuvent pas la satisfaire. La plupart des acheteurs étrangers étaient originaires des États-Unis et surtout de New York. La Big Apple est devenue le centre de la mode le plus concurrentiel et est en plein développement. Les firmes de couture parisiennes y vendent non seulement des créations exclusives à une clientèle privée, mais aussi à des entrepreneurs qui sélectionnent, reproduisent et vendent les modes parisiennes. Deuxièmement, il est vrai que Poiret a des problèmes financiers et se rend coupable de réflexes conservatifs nationalistes. Néanmoins, par opposition à l'opinion commune, il ne se replie pas sur soi-même, ou pas entièrement sur soi-même, et refuse non plus de s'adapter aux nouvelles méthodes de production et paradigmes de marketing. En troisième lieu, les pratiques illégales qui sont attestées avant la guerre ne sont toujours pas extirpées. Et toujours, les couturiers sont à la recherche de méthodes pour les contrer par une offre contrôlée. Finalement, nonobstant le succès et la concurrence croissant de nouveaux noms français comme Coco Chanel, Poiret reste le modèle pour les autres couturiers lorsqu'il s'agit de débiter des produits sur le marché international et surtout américain. Qu'est-ce qu'il y a maintenant de nouveau et de particulier dans l'alliance de Poiret avec Joseph? Différemment de la situation dans le passé, cette fois-ci, une seule entreprise reçoit un contrat d'exclusivité pour les États-Unis entiers. Il ne s'agit pas de copies à bas prix, comme dans l'initiative de 1917, par exemple, qui s'adressait à la moyenne bourgeoisie, mais
comme le disait aussi la presse, mais de vêtements français exclusifs. En plus, ils sont produits dans les ateliers de Joseph même, là où dans d'autres situations, ce sont d'autres manufactures qui fabriquent les vêtements. Et avec des matériaux et des garnitures que Milton Wolf a achetés spécialement pour ce but. Wolf se fait une gloire d'avoir commencé comme un des premiers vers 1910 avec la création de vêtements pour une clientèle exclusive. Une méthode qui, selon ses dires, a été amplement suivie. Donc en 1910, c'était pour des Américaines et avec des modèles par des couturiers américains. Et maintenant, il dit qu'il fait la même chose avec Poiret. Il est convaincu que sa démarche actuelle aura le même impact. Il considère cet arrangement comme une protection des couturiers français. Par conséquent, le nom de Poiret est protégé et avec lui, ses modèles. Selon la presse, la publicité Poiret Joseph veut donner le sentiment que la difficulté, voire impossibilité pour protéger les modèles français qui étaient conçus aux États-Unis jusqu'à présent, est exagéré. La raison en est que dans ce cas, le public a la certitude que Poiret crée uniquement pour Joseph. Ceci décourage ou découragerait en même temps les falsificateurs. Les campagnes de publicité insistent sur l'aura d'exclusivité et d'authenticité. Les acheteurs sont récompensés par la chose authentique, the real thing. Au lieu de copies, il s'agit d'originaux. En plus, au lieu d'un fragment, et ça aussi c'est nouveau, Poiret offre une collection intégrale. Par conséquent, une dame qui se procure un Joseph Poiret et paie une somme assez élevée peut faire cela sans risque de tomber sur son double commercial. En quelle année, 1921. La presse voit ce coup de Milton comme une étape de commerce d'importation de modèles aux États-Unis, comme le pas suivant logique dans le développement de la production de vêtements aux États-Unis, voire comme le coup le plus historique jamais atteint par un institut de mode américain. Pourquoi ? Parce que cette alliance protège en même temps le plus grand génie de la mode de l'époque et aussi l'acheteur potentiel. La clientèle de Joseph n'est plus la classe moyenne, the crowd, comme c'était le cas avec les soi-disant adaptations authentiques de 1917. Mais maintenant, la clientèle envisagée est privée et élitaire, tout comme le public initial de Poiret. Tout comme les pièces pour lesquelles il tentait de trouver acquéreur en 1917, celles-ci aussi se distinguent par leur élégante simplicité. Une toilette tape à l'œil serait inconvenant en temps de dépression, déclara Poiret soi-même. Selon Milton, ce style contraste avec, je cite, le type de vêtements extrêmement théâtraux, fin citation, avec lesquels Poiret est associé aux États-Unis. La nouvelle collection est au contraire très facile à porter. Ces mots sont révélateurs. D'une part, sur la réception de Poiret aux États-Unis et d'autre part, sur le goût de la femme américaine. Les Américains ne veulent plus de vêtements théâtraux, orientaux et artistiques, avec lesquels Poiret s'est fait un nom. Mais le style simple et moderniste à la Chanel, qui aussi en France est en train de gagner terrain. Des éléments caractéristiques de cette collection sont les manches longues, les robes longues, droites et élégantes, couvrant le haut des chaussures et permettant un grand mouvement corporel. Tout comme vous voyez ici, dans la robe en marron satin, avec robe chemisier en crêpe chaussette vert, vermousse, avec un manche kimono et une coupe étroite qui est donc typique pour les années 20. Jusqu'à présent, c'est la seule robe connue issue de la collaboration entre Poiret et Joseph, à moins que quelqu'un ici dans la salle connaisse un autre exemple. Au milieu du mois d'août 1921, Milton Wolf importe en bateau, la Beringeria, une première série de modèles. C'était 300 vêtements et une sélection plus petite de chapeaux.
Un de ces chapeaux se trouve aujourd'hui dans le Costume Institute du Metropolitan à New York. Et c'est aussi dans les teintes verdâtres comme la robe. Et quelques mois plus tard, le 10 octobre, suit le reste de la collection composée de capes, de manteaux, tailleurs, robes et encore chapeaux. La collection suivante, celle de printemps-été 1922, est également distribuée par Joseph. Mais ce sera en même temps la dernière. Le 7 juin 1922, Women's Wear annonce que Joseph cesse d'être l'agent américain pour Poiret. Une explication officielle n'est pas donnée. Mais les suppositions de la presse sont d'autant plus significatives. Les femmes américaines seraient toujours intéressées dans la mode française, mais pas dans les griffes individuelles. Elles achètent du style au lieu de nom. En plus, une collection complète un couturier signifie moins pour elles que des sélections groupées de plusieurs maisons. Finalement, les modèles seraient trop extrêmes pour la reproduction. Elles seraient plus appropriées au théâtre que comme habits personnels et quotidiens. Et pour couronner le tout, Women's Wear ajoute: les Américaines ne sympathisent pas avec l'idée d'un vêtement en tant qu'œuvre d'art. Pour conclure, la création et distribution de Paul Poiret est basée sur deux principes indissociables. D'une part, pour lui, toute création est une œuvre d'art. D'autre part, cette création doit être vendue à tout prix et d'une façon inventive et surtout effective. Ces deux convictions sont à la base de sa quête poussée de la stratégie commerciale parfaite. Leur entrelacement explique en même temps la fureur du couturier lorsqu'il est confronté avec les falsifications. L'alliance avec Joseph semble offrir l'antidote idéal contre ces tromperies, puisqu'elle s'harmonise parfaitement avec sa philosophie de base grâce à l'accent sur exclusivité, originalité et qualité. La faillite de ce projet si promettant est causée par le fait que le public auquel ces collections sont adressées n'a que faire de mode comme une œuvre d'art exclusive avec un prix à l'avenant. Merci. J'en avais déjà une, moi, pour Géraldine. En fait, vous allez voir de quoi je parle, puisqu'on avait été ensemble à un séminaire. On avait des représentants des États-Unis qu'on avait hébergé, en fait, il y a deux mois ici. Est-ce que, également aux États-Unis, est-ce que la problématique de l'antitrust joue un rôle, notamment l'idée qu'il faut que le consommateur paye le moins cher possible, puisque c'est ce que nous avait dit professeur Springman, qui était venu, qui avait une... donc c'est quelqu'un qui est professeur à la NYU, mais qui vient de l'antitrust, et lui, sa théorie, qu'il a expliqué régulièrement, c'est qu'en gros, leur philosophie aussi est que il faut défendre le consommateur, que le temps et l'argent aussi que mettent les entreprises à déposer la marque se répercute mécaniquement, enfin, se traduit mécaniquement par un surcoût, et fort de statistiques qu'il nous a présentées, historiques, il nous a indiqué que le surcoût était prouvé pour les produits de luxe, notamment, voilà, il y avait une inflation, notamment, des prix des produits de luxe. Donc, est-ce que cette théorie-là, il y a ces discussions de ces derniers mois, mais est-ce que sur la longue durée, vous pensez qu'elle joue un rôle? Alors, mon opinion qui ne tient qu'à moi, il est toute personnelle. Je pense que cette notion, on va dire, de... pour moi, n'est pas valable, honnêtement. Mais je pense que c'est peut-être mon point de vue, mes lunettes de française, voilà. Je pense que la répercussion... Alors, il faut savoir qu'une marque a déposé... ça ne coûte pas si cher que ça. Honnêtement, on dépose une marque de vêtements, allez, on va dire 3-4 classes, ça va peut-être revenir à peu près 1 500 $ grand maximum. C'est pas si cher que ça.
Donc, de dire que la marque doit être répercutée, pour moi, c'est n'est pas un argumentaire valable. Je trouve que c'est un peu une façon de contourner et de détourner la question de la mode comme œuvre artistique. Voilà. Je pense que on peut trouver différentes explications. Je pense que, pour moi, l'explication majeure se situe du fait que l'industrie est complètement éclatée et l'industrie n'est pas du tout celle qu'elle était dans les années 50, dans les années 60, même dans les années 90. Hein. Donc trouver des explications de loi antitrust est un peu, je trouve, ne pas se confronter à la réalité de l'industrie telle qu'elle est aujourd'hui et à l'éclatement... voilà, même en termes de marketing, même en termes de voilà, la notion de marque n'est plus la même, a beaucoup évolué, même en 15 ans, même depuis le moment où j'ai commencé mes études de droit il y a 20 ans, c'était la notion de marque a radicalement évolué et changé. Donc ça peut être une des explications, je reste très dubitative. Voilà. En tout cas, ce qui était intéressant, c'est aussi, je dirais, les lunettes. Ça témoignait des lunettes à l'intérieur de leur vision. C'était une vision qui consistait à dire on va protéger le consommateur avant tout. On protège le consommateur et c'est le droit des marques. Le droit des marques, c'est ce que j'explique et c'est ce qui permet au consommateur de faire la différence entre la source d'un... Si j'achète un sac, ce que j'explique chez Hermès ou chez H&M, je vais pouvoir déterminer un certain nombre de qualités en fonction de la source. Je sais que H&M, je paye un certain prix, ça vient avec une certaine qualité, même chose chez Hermès. Bon, voilà. Donc, mais c'est une approche très... propriété industrielle qui est très américaine, qui est de mettre de côté le côté littéraire et artistique et de mettre en avant le côté droit des marques et propriété industrielle. Voilà. Il y a un côté très industriel, mais ça, une fois encore, ça va de soi avec l'histoire américaine et l'histoire de son économie, l'histoire de l'économie de sa mode. Voilà. J'imagine, quand je parle antitrust, on a le prix à la pompe hein, du pétrole qui est exagéré, l'abonnement téléphonique. On a l'impression qu'il y a aussi ça, que la mode est, malheureusement souffre de... Elle est mise dans... Elle vient c'est un produit de consommation. Voilà. C'est un produit de consommation, ce n'est pas une œuvre littéraire et artistique. Bonjour. C'était moi. Hein. J'ai eu un doute. Déjà, bravo et merci à toutes les trois parce que vous avez fait des présentations très efficaces, très claires, donc félicitations. Moi, j'aurais des questions, mais j'en aurais 3 tonnes pour chacune d'entre vous, mais je pense que le temps n'est pas là. Donc, je vais juste poser une question sur à Géraldine par rapport à cette discussion sur les jeunes créateurs, oui. Notamment parce qu'en fait, mardi dernier, j'ai discuté avec une designer freelance. On n'est pas effectivement dans la société de création, mais qui a ce problème-là, elle ne cesse de répondre à des annonces pour trouver des contrats de designer freelance. Je lui disais, mais il va falloir que tu protèges ce que tu fais, parce qu'on lui demande systématiquement, et vous l'avez évoqué, d'envoyer sur telle ou telle thématique jusqu'à une dizaine de dessins. Oui. Voilà. Comment peut-elle réellement, parce qu'elle fait ça, mais comme elle cherche un contrat freelance, bien sûr. Elle fait ça un nombre de fois incalculable pour chaque marque, chaque société, tous les mois. Elle ne peut pas à chaque fois aller à l'INPI déposer systématiquement tous ces dessins. Mais comment peut-on protéger les enveloppes solo, c'est bien gentil, mais ça coûte cher. Mais voilà, donc c'est vrai que c'est une vraie problématique, parce que pour moi, c'est du vol pur et simple. Elle n'a jamais aucun retour derrière une marque pour lui dire oui, non, ou excusez-moi, merde. On voit bien quelle est la finalité de travailler ainsi. Donc, quel est votre... Alors, mais je vais mettre ma robe d'avocate. je vais vous dire ce que je dis à mes étudiants. Il n'y a malheureusement, c'est ce que j'expliquais, un système de la réputation, etc., de moyens, ne va pas engager des poursuites. Bon. Alors, je pense que la solution qui n'est absolument pas faillible, loin de là, c'est de montrer qu'elle connaît ses droits. C'est déjà, alors c'est ce que j'explique à mes étudiants qui vont aller voir des marques avec leur portfolio, etc. Il y a toujours des façons un peu élégantes de dire, écoutez, bon, je vous précise, je sais bien que, voilà, mais je précise que bien évidemment, ce sont bien mes dessins, ne vous inquiétez pas, ce sont bien mes dessins originaux, ce sont bien mes créations, je sais que bien, voilà, je vous explique que j'ai bien, ce sont bien mes droits de propriété intellectuelle sur
sur ces créations-là. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, et je sais que bien évidemment, je le dis parce que je me sens obligée, mais je sais que bien évidemment vous n'aurez pas, vous êtes très élégant et que voilà, je sais que vous en êtes bien conscient également. Voilà, c'est ce genre de choses-là. Alors, juste pour information, le petit C que l'on voit partout, le petit copyright que l'on aime bien mettre, et que, voilà, n'a aucune valeur juridique. Hein. Mais c'est un petit outil que je trouve assez utile parce que ça montre que vous connaissez potentiellement vos droits. Voilà. Après, pour des jeunes créateurs qui n'ont pas beaucoup de moyens, sans recourir forcément à toutes les enveloppes solo, si un jour il y avait une procédure juridique, là, une façon un peu utile, c'est de s'envoyer ses propres dessins par la poste en faisant attention de bien tamponner, de bien sceller, de bien tamponner la date. Voilà, et vous les envoyez à vous-même, bien évidemment, vous n'ouvrez pas l'enveloppe. Et en cas de procédure, vous pouvez éventuellement apporter ça comme pièce, mais bien évidemment c'est pas pareil, mais et c'est tout le système qu'il faut repenser, et c'est toute la culture qu'il faut repenser, parce qu'il y a une culture de la copie qui est rampante. Voilà, et juste j'aime bien toujours dire que les États-Unis étaient se présentaient en disant non, surtout il ne faut pas qu'il y ait de protection par le droit d'auteur, il faut qu'il y ait la liberté, etc. Et sauf que maintenant les États-Unis, enfin quelques décennies plus tard, étaient les premiers à pointer du doigt à la Chine en disant « mais vos droits de pour vous nous volez tout », etc. Alors qu'eux-mêmes, leur... Donc c'est un espèce de cercle, et je pense que dans l'industrie de la mode, il faut casser ce cercle, et qu'il y ait une culture du respect, voilà, qui s'impose, et notamment un certain nombre de grandes maisons, hein, vis-à-vis des jeunes créateurs également. Voilà. Parce que c'est l'avenir et c'est le futur. Voilà. Pour compléter, pour parler de choses qui n'existent plus, la moyenne couture, la définition, ouais, de sa moyenne couture, c'était, enfin définition informelle, c'était des robes inspirées de la haute couture, donc la moyenne couture qui était totalement française, voire parisienne, et très prisée du marché britannique. Donc on a aussi, nous-mêmes, enfin on a dans l'histoire, nous, une pratique de la copie de cette population de moyenne couturier qui n'existe plus du tout. Donc et la fameuse distinction nationale, ouais, et française, oui. La distinction, la fameuse distinction entre l'inspiration et la copie, où mettons le curseur, voilà. J'ai certains de mes étudiants qui ont travaillé d'ailleurs pour le musée d'Hasselt en Belgique sur cette notion-là, où place-t-on le curseur. Il n'y a pas de réponse, c'est très subjectif, et n'oubliez pas que les magistrats devant le TGI doivent gérer des questions de mode, hein, mais de brevets très très techniques, voilà. Donc ne sont pas forcément des grands spécialistes de la mode, non. Plus. Voilà. Qu'on avait dit, oui, j'aimerais s'en rappeler. Donc, une question qui est en même temps un petit peu en commentaire pour Johanna, qui après avoir filé la métaphore des Sleeping Beauties de manière extrêmement aboutie, vous terminez sur une question que je trouve formidable, la légitimité finalement de ces réveils, la renaissance, revival, tout un vocabulaire. Et je veux savoir, quelque part, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir s'il n'y a pas une forme d'opportunisme derrière ces reprises de maisons dont, vous l'avez dit, on ne respecte pas toujours au niveau de l'ADN, le capital de marque ou même la création. Donc, est-ce que ces endormis qui se sont rendormis un certain nombre de fois, qui ont été de nouveau réveillés, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que ça use quand même le capital des marques, que ça les fragilise et qu'in fine, ça leur fait peut-être au bout d'un moment plus de mal que de bien? Je pense qu'il y a beaucoup à dire à cette question. Sur la question de l'opportunisme, j'aimerais bien dire un mot. À la base, donc les couturiers faisaient de l'argent avec leur marque de haute couture. Et j'ai rencontré de nombreuses fois des critiques par rapport à ce réemploi de la marque à des fins financières. Et je pense que ça, ce n'est pas une vraie critique à apporter aux belles endormies, puisque ces marques étaient déposées, elles sont tombées dans le domaine public, elles sont disponibles pour tout un chacun de les redéposer et les relancer. Après, pour la question de l'épuisement de la marque, ça c'est quelque chose que effectivement les entrepreneurs se posent cette question et ont à résoudre ce problème, et il y a beaucoup, notamment Vionnet, on en est déjà au troisième propriétaire. Ah, absolument, mais la réponse que les managers font à ça, c'est que le consommateur ne se souvient pas. Donc pour nous, historiens, évidemment, c'est une autre question, mais pour le consommateur, ça n'a pas d'importance. Donc on est sur deux niveaux qui sont tout à fait différents.
Moi, je trouve ça fascinant de, à chaque fois, regarder comment la maison se réapproprie les codes, qu'est-ce qu'elle en fait, qu'est-ce qu'elle n'en fait pas, pourquoi. Ça, c'est du domaine de l'histoire pour moi, mais a priori, donc j'ai pas fait d'études de consommateur, mais c'est ce qu'on m'a dit et on m'a répété, le consommateur ne sait pas. Le consommateur n'a pas de culture de mode particulière, et Jean Patou ou Vionnet, on peut en faire ce qu'on veut. Alors, du coup, quel est l'intérêt de reprendre le consommateur n'a pas de référence. L'intérêt, je pense qu'il est déjà dans le prestige du nom. Il y a des possibilités historiques, c'est-à-dire qu'il y a des archives, il y a une histoire, on peut s'en servir si on veut, on peut réécrire cette histoire en permanence. C'est quelque chose dans lequel puiser, c'est un réservoir d'idées, en fait, tout simplement. Je pense que c'est la façon dont les managers le voient, en tout cas. C'est quand même moins coûteux en investissement, finalement, d'utiliser un nom qui existe, que aujourd'hui, dans un marché qui est hyper concurrentiel, faire valoir un nouveau nom quand on est un jeune créateur, parce que moi j'en accompagne beaucoup commercialement, c'est juste la galère totale. Je veux dire, quelle est leur légitimité par rapport à... C'est aussi pour ça que vous avez parlé d'ailleurs de l'Ubermis, mais il y a aussi dans la chaussure le groupe Royer qui garde en sommeil la marque Jourdan. Pour connaître beaucoup de gens en interne, j'attends avec impatience de savoir ce qu'ils vont en faire. Parce qu'ils ont fait de clients, ça n'a pas été un grand succès. On est quand même sur un boutier français de luxe qui dort et qui a pourtant un potentiel. Mais la stratégie, c'est ça, c'est coûte moins cher que de poser un nouveau. Géraldine le mentionnait très bien, déposer un nom, ça coûte quoi à l'INPI, 200 euros peut-être par marque et par classe, un truc comme ça. N'importe qui peut à 200 euros dans ce monde-là en particulier. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui coûte pas cher. Après, dans le cas de Schiaparelli, investir sur la place Vendôme, avoir 20 travailleurs, travailleuses qui soient très qualifiés, avoir des designers, une campagne publicitaire qui coûte fortune. On est sur un investissement qui est sur du long terme et on est sur des choses qui sont complètement différentes. Donc ça coûte à la fois très peu cher et excessivement cher. Ça dépend comment vous le situez et ça dépend qu'est-ce que vous voulez faire. La haute couture, on va dire des critères inhérents à la haute couture qui fait forcément qu'on est capital intensive dès le début avec une maison comme Schiaparelli. Mais après, dans le non haute couture, il y a énormément de marques qu'on peut acheter, mais on peut capitaliser sur un nom qui a déjà eu, parce que le consommateur n'est pas idiot. Contrairement à ce que pensent les managers, on a un minimum de culture, même si ils ne savent pas forcément qu'il y a une base de designer, mais ils savent reconnaître un produit et l'associer aussi à un design, à une créativité, à un style. Oui, je pense qu'il y a... Enfin, parce que je dis un dernier mot avant de... Une dernière question et... Oui. Enfin, on peut en discuter par la suite, mais il y a tout un éventail de possibilités et de positionnement. On peut... Schiaparelli a choisi de relancer haute couture. On peut relancer en se disant « je fais que du prêt-à-porter », etc. Et c'est tout à fait des options différentes qui sont considérées par les managers en belles endormies. Il faut faire la poste. Donc Tomoko Okawa va vous parler de Christian Dior, mais qui est une étude de cas extrêmement importante, le cas de Christian Dior important, mais derrière, je pense qu'il faut vraiment avoir en tête que derrière, ça reflète ce qu'on fait plus ou moins différemment quasiment toutes les maisons de couture parisiennes. Et aussi tous les créateurs de mode, apparus en France dans les années 70. Il y a eu un célèbre voyage fait par Melka Tréhanton et son assistant qui était Jean-Jacques Picard au Japon. Il y a une photo dans l'ouvrage de Didier Grimbach. Ensuite, tous ceux qui ont participé au voyage, je crois quasiment, ont signé des contrats de licence au Japon. Donc c'est vraiment, là en 25 minutes, vous aurez la description extrêmement précise d'une pratique qui a permis à ces maisons de vivre et aux jeunes créateurs de vivre, mais qui est une pratique qui a complètement disparu. Donc Tomoko Okawa a étudié, enfin a reçu un MBA de Tokyo Metropolitan University et également soutenu sa thèse de doctorat dans cette même université. Par ailleurs, et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est une des dirigeantes de l'Institute of Fashion Industries. Donc c'est un groupement extrêmement important dans le domaine de la mode au Japon, et c'est un groupement qui est soutenu par le MITI, donc le ministère de l'Industrie et du Commerce au Japon. Donc elle a aussi cette expertise pratique aussi du Japon. J'avais lu sans la connaître avec énormément d'intérêt, je vous permets de vous le conseiller si vous ne connaissez pas encore ce chapitre,
Dans l'ouvrage « La mode des 60s », donc, qui est paru aux éditions Autrement en 2007, Tomoko Okawa explique avec clarté et précision cette pratique. Donc merci encore Tomoko, et on est vraiment impatients de vous entendre. Merci, merci David. Donc je vous amène en voyage au Japon. Bienvenue à bord. On y va. Okay. The purpose of this presentation is to make clear the process of the integration of Paris couture house within the Japanese fashion industry using the example of Maison Dior. I have a hypothesis that through the work with Maison Dior, we, the Japanese fashion industry, could greatly improve our skills. I'd like to show several examples through the research of the corporate and school archives. In 1946, Maison Dior was established by Marcel Boussac, who was one of the greatest capitalists of the time. 2 years later, they expanded and launched the New York branch and aggressively continued to find overseas market. As you well know, Alexandre Palma conducted insightful research into the development of Dior's global business, and I would like to refer to that for details. And also, you well know, also Christian Dior suddenly passed away in 1957 at the age of 52. The Maison continues to exist up to the present day. However, to keep the Maison going, they gradually depended on the license business. I'd like to discuss about how developed Dior's business became in the Far East Orient in Japan from a point of view towards the contribution to development of the Japanese fashion industry. The European mode, especially the Paris mode, gave great influence to high society women. After all, the center of fashion is Paris. An article in a women's magazine early in the 20th century already mentioned. When we compare to the information network of the present day, the information about Paris couture fashion was precisely reported. In 1953, after the defeat of World War II, this was a very big turning point for the Japanese fashion industry. The opportunity was brought by Maison Dior. During 1 year, two companies, Kanebo Textile Company and a Daimaru Department Store, and one school, Bunkafukuso Gakuin, organized Dior's fashion shows in succession. However, their purposes were vastly different. Kanebo wanted to promote the sale of textiles with Dior's design. Daimaru wanted to show the skill of couture, and Bunkafukuso Gakuin wanted to promote the school's name and also wanted to improve their teacher's skill. Kanebo asked Chiyo Tanaka and Daimaru asked Yasuko Ueda to purchase Dior's pattern in Paris. Two of them have had previous experience to study fashion in Paris and run their own fashion schools. On the other hand, Bunkafukuso Gakuin invited 12 of Dior's models to promote genuine Dior product. The media at the time spoke very highly of Dior's magic. The show had upset the long-time Japanese way of occidental fashion. The great success were turning point that tie up French couture maison and the Japanese market. This also brought about an occidental fashion boom, which made Japanese fashion schools prosper from, as a result, promoting Japanese fashion designers. In 1953, Daimaru made an exclusive sales agreement for couture products with Dior. But why not Kanebo? This was because Daimaru already had many wealthy customers to buy Dior's products, and they also had a rapidly growing dressmaking division. This exclusive agreement was the first business model to tie up with a major Japanese department store, which was an important retailer in Japan, and the Paris couture brand. In Japanese fashion history, it was said that Daimaru made an exclusive agreement in 1953, as I told you. But the document in Daimaru's archives tells us it was really in 1956. Here is a copy of the agreement. These underlined parts were handwritten.
In this format, Maison Dior could change the country's name and the company's name. With this document, Maison Dior gave exclusive authority to foreign collaborators. At the bottom of this document, in the left-hand corner, we see the president's name, Jacques Louis. In the center, we can also see the name of Yves Saint Laurent. Tetsuo Nagano, who was an executive director, wrote for Daimaru's internal newsletter about the start of Dior's business in 1956. In reality, they opened Dior Salon in Osaka in May of 1956, and also later in Tokyo by a few months in October. So after the exclusive agreement, it took for 3 years to prepare Dior Salon. In the newsletter, Nagano wrote, make it instructed with honesty and make it like an attentive research. So he asked the staff to be faithful for this Dior's project. And at the end of this essay, he wrote, this project is an important social and cultural contribution for ladies' Occidental fashion in Japan. Nagano's words indicated that this project was not only for Daimaru and Maison Dior, but also for the development of the Japanese fashion industry and positioned Dior as master. Daimaru nominated 4 women as full-time designer for the Osaka branch, Haru Isomura for, Yasuko Ueda for the Osaka branch, Haru Isomura for the Kyoto branch, Yoshimi Fukutomi for the Kobe branch, and Ai Uehara for the Tokyo branch. They all went to Paris taking turns to purchase the patterns. These are the documents kept in the Dior Fashion School in Kyoto. This school was established by Daimaru in 1949. At that time, it was called Daimaru Dressmaker Female Academy. 4 designers went to Paris in turn during the haute couture presentation. They sketched and reported in details as well as making sewing specifications in order to execute the Dior's haute couture products correctly. This explanatory leaflet was shared by all Daimaru's atelier staff. As you see here, it explains how we have to pay attention to the details with the exact illustration and words. Except for Uehara, 3 Kansai district designers were presidents of fashion schools. Isomura was a Daimaru Dressmaker Female Academy. Ueda was Ueda Yasuko Fashion School. Fukutomi was Kobe Dressmaker Female Academy. They had an atelier for Dior's haute couture in each school. Especially, Daimaru Dressmaker Female Academy was opened on the 6th floor of the Kyoto branch, so they had a strong relationship with Daimaru. This school had a teacher training course, and excellent students were selected for the atelier and engaged in the Dior's haute couture reproduction. They executed the products in the school until the 60s. At the same time, through the buying of Dior's product, they try to feedback to the educational sites. For example, Isomura in Kyoto made collage-like objects. This was 22 inches in length and 16 inches in width. Every season, she chose some designs. One of the professors drew sketch, and she put the same textile with Dior. At that time, usually these were decorated and displayed in the hallways. Sometimes Isomura used in her lectures as teaching material. In order to correctly execute the garments, they initially bought textiles and accessories of clothes in Paris. However, according to 4 designers' reports, I chose designs that we would make with Japanese material, or we can use the same bottoms with
which we use in Japan with faithful illustration like this. So concerning the supply of the materials, there is a possibility that they could get them in the Kansai district, such as in Osaka or Kyoto. This possibility also indicates that textile manufacturers also improved skills through Daimaru's demand. Daimaru Dyo, the contract ended in 1963, but it was an innovative business model, such as the tie-up with Japanese department stores and Paris Couture Maison in Japanese fashion history. It is proof that after Daimaru, the other department stores made an exclusive agreement with Paris Couture Maison. This agreement enhanced the value of the store. However, it was not always profitable. After Dyo, in July 1964, Daimaru made an exclusive agreement immediately with Hubert de Givenchy, and a special collaboration with Balenciaga. This suggests the canceling of the contract was Dyo's intention. After Dyo, four Japanese designers started their own brands, as you see here. All of their styles were affected by the 50s haute couture. The techniques they obtained through the correct and faithful executions for 7 years have sublimated. Once the agreement with Daimaru ended in 1963, at the time the industry was undergoing a major shift from haute couture to ready-to-wear. Maison Dyo also concluded a license agreement with Kanebo, which gave it the exclusive reproduction rights for Dior's ready-to-wear and accessory lines. In 1959, Louis Ferraud started a license business with Save Department Store under the concept Fashion for Japanese Women, with Japanese textile and factories. In 1963, Yves Saint Laurent also started licensed business with Tole textile company. So in Japan, Maison Dyo entered a bit late to this business. Newspaper at the time reported this under the title Dyo to be produced domestically, and will Dyo be affordable? Through its licensed product, with the regard to the agreement with Kanebo, President Jacques Louis said, addressing the emerging ready-to-wear market was inevitable, as developing business with a single department store would have limited our opportunities. Maison Dyo agreement with Kanebo prescribed a percentage for each item, with 3% for ready-to-wear, determined a minimum sales target of 9 billion yen over 5 years, and required Kanebo to pay an annual fee of $30,000 to Maison Dyo. This format differed from those favored by New York branch in particular, by which agreements were concluded with different licenses for each item, and was the first case in which a license was entrusted to a single company. As you see in this diagram, Maison Dyo expanded fashion-related lines with Kanebo as the main licensee, and Kanebo gave sub-licenses for special manufacturers such as shoes and costume jewelry, etc., which they could not produce by themselves. And also, at the same time, the direct imported items, such as handbags and watches, etc., were provided by the importers. These items were uniformly distributed by Maison Dyo's head office and worldwide of its own initiative. In 1975, Maison Dyo's representative office in Japan was founded. This office was involved in press activities in order to promote Dyo's brand value. In Kanebo, one European was involved in Dior's division as a designer. According to the interviews with the people in charge of merchandising at the time, Maison Dyo introduced this designer to Kanebo, and Kanebo hired him by offering a very high salary. At the time, there were no single European designers who agreed to go to the Far East. His name was Emile Ungemat. He was Swiss.
who had a career at Maison Givenchy. He was in charge of being responsible for the designs for all Dior products for more than 15 years. He had his own atelier at Canebo, and he made technical guidance based on French patterns to the Japanese market. Such an aspect of design and quality control was unheard of at the time. The quality control philosophy in this case was whether a product delivers correctly Dior's taste or not. If he felt that it was not suitable, Canebo could not commercialize it. He was an absolute presence in-house. Also, the U.S. was initially the driving force behind the license business. Japan's importance increased in the early 70s and eventually matched that of the U.S. In 1977, Jacques Louis announced, "Our tie-up with Canebo has been a great success," and claimed we share the same destiny as Canebo. As illustrated in this diagram, Canebo developed more than 50 categories on their own and used to sub-licenses with expertise in each item. And also, Canebo organized Canebo Geo Association with domestic specialty stores for building up strong relationship. In the U.S., New York branch office chose licenses in liaison with the headquarters, but Canebo was given the authority to go ahead with a wider range of items. In fact, looking at the changes in the headquarters' profits over a 12-year period from 1965 through 1977, we see that total income both from royalties and profits in North America and elsewhere grew by more than 11 times, and the Maison Tio vigorously promoted this line of business. During in the midst of this, the parent company, Group Boussac, which went finally bankrupt in 1978, under pressure to generate profits, Maison Tio further accelerated promotion of their license business. The licensed products with brand's logo were accepted in Japanese market under the high economic growth period because having a product with brand's name was symbol of wealth, especially in the 70s. One point boom took place, and the Japan original line Dior Sports with the logo CD like this became popular. In the 80s, which is defined as the maturation period of the licensed business, more than 2,000 Western companies were developing their licensed business in Japan, so this business model played an important role in Japanese fashion market. From the late 70s, there was a problem of a parallel imported products. Parallel imported products mean the products which did not pass the official route by anonymous importers. The real problem was they were cheaply available. After the Plaza Agreement in 1985, the Japanese yen surged in value drastically. This situation promoted the large quantity of cheaper priced imported products flooding Japan. In addition, the number of Japanese travelers heading overseas increased dramatically. This change led to Japanese consumers prioritizing own genuine items rather than the licensed product they had sought out there too. Canebo's Dior's business expanded from 2.5 billion yen in 1972, 140 billion yen in 1982. The profit also increased 100 million yen to 800 million yen. This business mainly supported by Canebo's fashion division, which had many different brands besides Dior. From the internal report, President Junji Ito often issued a stern warning to their dependence to Dior. However, he said, despite the Dior division has an autonomy between quantity
quantity expansion and the depreciation of the brand's image, we should expand the quantity even in 1985. Unfortunately, Canebo had not reached the contract amount yet. Maison Thiau expectation appeared to place pressure on Canebo to offer a high contract fee, which was raised during every renewal time, such as 3% in 1964 to 10% at the end, plus minimum guarantee. Jacques Plouet also insisted that the difference between Thiau products and the others is particular about quality, and they plan to strongly promote the license business even in the 80s, mainly because the license business brought them an important source of revenue. Canebo promoted the men's line Mushu, the sports line Thiau Sports, and also ladies' line like this. In order to keep the exclusive agreement and also achieve the contract fee, Canebo created a lot of brands in each line, which were subdivided. At that time, the Japanese staff developed these huge items with each licensee. It meant they didn't have a time to be authorized by Emil Ungemat. Finally, they started selling Kotatsu Kaba under the name of Thiau. I found evidence from an interview that he often explored into angry words against the Japanese atelier staff for his frustration. But Canebo didn't stop it. The number of licensed items reached up to 10,000 SKU, a stock keeping unit. The presentation for the buyers was held in the early 90s at the Makuhari Messe, which is a huge exhibition hall near Tokyo. Bernard Arnault assumed management of Maison Thiau in 1984 and gradually began winding down its license business from 1992, despite the fact that it had accounted for 40% of Maison Thiau's total sales at the beginning of the 90s. Bernard Arnault decided to stop license business because consumers were tended to genuine oriented, so they needed to keep the high brand value. At the time, the license business was still steady, so it must have been a very difficult decision to shut down operations. Then in 1997, Maison Thiau announced the termination of license agreement with Canebo at the time. Their Thiau business had reached 40 billion yen, and it had accounted for more than 10% of their sales. Canebo paid a 10% license fee, in other words, 5 billion yen. They also had 1,000 sales places, including the department stores, known as Thiau Shock. This was reported as a symbolic case heralding the demise of European fashion house licensing business. Finally, Maison Thiau completely ended its license business in 1998. On the other hand, Canebo contracted with Maison Lambin for the license business. However, they could not cover the sales of Thiau at all. Canebo bankrupt because they repeated the failed statement of accounts since mid-90s. They closed down their long history of more than 100 years in 2005. This presentation discussed about the influence Paris Couture House in the Japanese fashion industry. I considered this influence as a contribution to the development of the industry, and I focused on Maison Thiau. In 1953, Thiau products showed overpowering technical difference to Japanese. The first exclusive contract with Daimaru took 3 years to prepare. They tried to be faithful model on Thiau's way of making haute couture. Through these experiences, they could greatly improve their skills and fashion sense. The fact that four designers built their own brands was proof of this.
After that, Maison Chiu aggressively promoted licensed business with Canebo. In order to make faithful products, Canebo initially appointed Emil Ungemat to supervise Dior products. At Canebo, their sublicensing system was great success, and they could promote their items under the name of Dior. At the same time, for the sublicenses, it was a good occasion to have sharpened and improved their overall sensibility. However, for 33 years, the contract fee was raised during every renewal time. Fan Canebo started to seek to maximize their business. A transfiguration in quality resulted. By transfigurations, I mean just putting the name under the brand's name, as we saw. This transfiguration matured in the fashion market and forced Maison Chiu to shut down its licensed business. Running counter to this kind of Western supremacy, not for an imitation of Western fashion, in the 70s, the appearance of young Japanese fashion brands by young people, and also the appearance of Japanese designers such as Issey Miyake, Rei Kawakubo, and Yuji Yamamoto have become leaders in our fashion market. I don't deny that the licensed business at all. Even now, there are the brands which work very well, like Maison Lambert in Japan. It was a necessary process for the development of our fashion industry. And also, it was true that the consumers appreciated it. We can say without a doubt that the step of Maison Chiu and Japanese companies were vital and important process for letting Western fashion to take root in Japan. Thank you very much. Okay. During the post-war period, Americans were fascinated by Gallic attire, and I think a few people at this conference have already talked about this. John Fairchild, who was the editor of Vogue's big rival, Women's Wear Daily, noted that after the war, quote, the biggest customers in Parisian couture were American women, 60% of the total, he estimated, at Givenchy. Such enthusiasm was not restricted to the affluent few. An article in the January 1955 issue of the American magazine Holiday, which is very middle class, middle brow kind of periodical, clarified that far more broadly, and I quote, "It is every American woman's dream to buy a creation direct from a famous French couturier," end quote. But if in the post-war period American women were enthusiastic about Parisian designers in general, they were fervent about Christian Dior in particular. Many Americans heartily approved of Dior's first collection, the New Look of 1947, and consequently Dior's celebrity in post-war America was considerable. As Dior himself recalled in his autobiography, in 1948, the Gallup poll, which is a very big poll in the US, it's still going, it's the main poll in American culture on main issues. The Gallup poll gave me, quote, "the unexpected honor of saying I was among the five best known international personalities within the United States." And that's not restricted to designers, that's just international personalities generally. So he was very, very big as a you know, celebrity. Even more remarkably, in March of 1957, Dior graced the cover of Mass Middle Brow American magazine Time, which I think we've actually seen in another paper before. But I should point out that he was the first French-born fashion designer ever to make the cover of Time. So again, very big deal. America's most preeminent fashion magazine, American Vogue, and by the way, just for clarification, every time I refer to Vogue throughout the rest of the paper, I'm referring exclusively to American Vogue. But Vogue helps to generate, reflect, but also reinforce this American reverence for Parisian couture throughout the 1940s and the 1950s. But whilst articles consistently praised French haute couture, the vast majority of the clothes that the magazine actually recommended to its readership were high-end American-made copies of the French originals.
If Americans admired Parisian haute couture so ardently, why did high-end magazines like Vogue not feature the couture garments themselves? So this paper seeks to explain that disjuncture by exploring the complex interplay of social, cultural, and economic dynamics that transformed how Parisian haute couture was transmitted and transformed in its passage across the Atlantic at mid-century. Now we've got to go back in time a little bit just to contextualize before we come back to the 40s and 50s. Of course, Americans' post-war fixation with French design was not without precedent. From the commencement of their nation, American women had long looked to French fashion designers for sartorial leadership. And as the historian Christensen L. Hogensen has argued, and some of the papers really explored really well yesterday, I thought, American women did so with particular fervor during the Gilded Age, for by appropriating the style of European aristocrats, many American women of the period believed that their transnational sartorialism would bolster their own social standing. So they're purchasing gowns like this, and this is, I think, from the FIT collection in New York by Charles Frederick Worth from 1885. So this is the sort of thing they're purchasing to kind of solidify, legitimize their social position. Until World War II, therefore, American women overwhelmingly turned to Paris for stylistic leadership. There are a few blips on the radar, but that's generally the consistent through line. This was primarily because America's fashion center, New York, excelled at manufacturing clothes rather than designing them. One rare exception to America's stylistic dependence on Paris, however, was the indigenous style of sportswear. American sports clothes first began to appear as early as the 1890s, but only gathered real popular momentum in the States in the 1930s and 1940s. And here you can see a very representative example by pioneering American designer Claire McArdle. It was at this juncture that sportswear became particularly associated with the warmer climes and the outdoorsy lifestyle of the West Coast, particularly California. Paris's inaccessibility during the war greatly aided this surge in sportswear's popularity. Because very little French clothing could reach American shores after the German occupation of the French capital in June of 1940, the American ready-to-wear industry was forced to imaginatively fill the sartorial void for the first time. And so consequently, by the time Paris is liberated in 1944, New York had become, for the first time, established as a city that was brimming with its own unique, innovative, thriving sartorial culture. But in America, Paris's reinstatement as a sartorial leader was partially assured because for many, its pre-war prestige remained an alluring draw card. As Parisian designer Elsa Schiaparelli, pictured here, recalled, whilst the first collections after the war were, quote, a severe test for us, as in Parisian designers, the buyers flocked to see our shows, thus confounding the rumor that Paris had ceased to be the center of fashion. Christian Dior's inaugural show in 1947, of course, was also a key factor in securing Paris's sartorial preeminence. Now, once Paris was liberated, and this is where I go back to Vogue, Vogue's fashion features were also monopolized by French couture. As early as January 1945, the magazine meticulously brought its American readership up to date on how styles in French hats, hairdos, clothing, silhouettes, and accessories had changed during the 4 years of German occupation. For Vogue, this subject was a serious business and therefore warranted a highly comprehensive four-page article that tabulated the various styles. Throughout the rest of the year, the magazine continued to report on the minute evolution of Parisian chic. In April, the magazine reported that with the appearance of, and I quote, gentle feminine hats for Paris's first free spring, finally Paris hats have calmed down. In December, readers were also informed about the latest haute couture designs for Paris in the rain, including a chic paquin raincoat and some rather smart umbrellas by Lilon. After the 1947 debut of Dior's new look, Vogue's francophilic content increased exponentially again. So you get a bump after the liberation of Paris and another massive bump in 1947. And numerous articles begin to extol the virtues of both the man and his work.
The preoccupation with Dior began in the magazine's, quote, eye view of the Paris collections that April, and that's a regular feature it has every time there's the Paris collections have been held. And this article in 47 noted that, quote, two things were the talk amongst those who had attended the fashion shows that season, the cold and Christian Dior. Unsurprisingly, that month, an illustration of the new look from what Vogue called, and I quote, the new house with a new vigor, was also featured on American Vogue's cover. Vogue's intense interest in French fashion continued unabated throughout the 1950s. The senior fashion editors at Vogue devotedly attended the Parisian shows each and every season and immediately penned comprehensive reports on what they had seen for the magazine. Many of these articles ran for 20 pages or more. Vogue back then was nowhere near as big as it is now, so that's a significant proportion of its overall content. And so in the September 1951 issue, for example, an article on the new Paris collections began by painstakingly explaining, in easy to understand question and answer format, the new hemlines and waistlines of the French collections. And for complete clarity, this information is also relayed through dozens and dozens of pages of spreads like this. Vogue's coverage of the French collections only increased as the decade wore on. By 1957, Vogue's so-called quick report on Paris collections ran for a full 8 pages, yet even this was not sufficient. In the next issue, which was published just 2 weeks later, a further 24 pages were devoted to the same collections. Vogue's fixation, and I should note this because I think it's important, Vogue's fixation with French couture, of course, was not unusual for the American press. Both Life magazine and the New York Times, so not fashion publications, they maintained a healthy interest in Parisian couture throughout the 1940s and 1950s. So the Times jumped at the chance to cover the first Parisian shows after the war, and Life also admiringly profiled Dior's creations. However, and this is the key point that I kind of want to make in this talk, Vogue's post-war fashion features were highly paradoxical. Although articles consistently profiled and praised French couture, the vast majority of the clothes that Vogue actually featured and recommended to its readership were American-made copies of the French originals. And this is because you see a reoccurring device present in many of Vogue's post-war fashion features. So whilst the headline, and I'll show you some examples, but the headline of many articles claims to profile looks by famous French labels, when you look at the fine print, the pieces are actually that are being featured are the cheaper American copies of the Gallic styles. So this feature on Dior's Corsetry News from the December 1955 issue kind of typifies this sort of trickery, if you want to look at it pejoratively. Having claimed to feature a Dior corset in the headline, the fine print clarified that what the article actually featured, and I quote, is an all-in-one designed by Christian Dior, but made in this country by Lily of France. 5 years later, similar kind of thing is happening. If anything, it's only accelerated. This is a feature from the April 1960 issue. And again, the headline of this piece proclaimed that it explored Balenciaga's pink ideas. But the fine print on the opposing page revealed that readers were actually viewing sketches of a suit, quote, imported and copied in America by Ben Zuckerman, which were available for purchase in American department store Saks Fifth Avenue. Moreover, the articles that actually featured Parisian-made garments omitted two key details. Significantly, Vogue's post-war Paris pieces did not inform readers of the cost of French garments, nor did it state where they could be purchased, an unusual evasiveness for the periodical during the post-war years. So the magazine routinely notes those kinds of practical details with any of its features on other kind of American-made garments. Hopefully you can see it here, but in this piece on Dior Corsetry News, readers were informed in this fine print down here that the depicted corset was, quote, made in this country by Lily of France, cost $35, and listed the three American department stores where you could go and purchase it.
Vogue's French fashion features in the late 1940s and throughout the 1950s, I would argue, and this is the conclusion I came to after a long period of time, I think they primarily fulfill an educative function. They comprehensively inform Vogue's America's readers about the nuances of the latest Parisian trends, but anticipating that readers would not actually purchase the expensive garments themselves, they remain unfettered by any practicalities of acquisition. So you don't tend to see any articles on how to care for couture or how to store it or how to move it. It's not expected that this is something you're actually going to do. So the key question here is, given the post-war American enthusiasm for French attire that I outlined in the beginning, why is it that Vogue favoured reproduction over real? Many of Vogue's readers were of the moneyed elite, so they had the money to buy haute couture. Not all of the readers did, but there was a significant proportion that did. So what exactly is going on here? Several complex interconnected factors explain this omission, I think. The first is that the magazine's preference for American imitations was partially prompted by the expansion and the very rapid expansion of the Franco-American transatlantic fashion trade in the post-war period. As early as the 1890s, American manufacturers, especially in New York's fashion district, had excelled at copying and adapting French couture at much cheaper price points for the mass American market. After the war, however, this market became much larger and more efficient, as the women's ready-to-wear sector had not suffered greatly during the war years in the States, unlike, say, in Europe. An unprecedented post-war economic boom in the US also restored full employment by 1946. And so newly invigorated, this robust industry naturally responded to this really insatiable appetite in the post-war period for French clothing. And consequently, what had previously for the last sort of 50 to 60 years been a fairly haphazard Franco-American fashion system starts to evolve into a much more complex and stratified entity. As Kennedy Fraser, who was then the fashion writer for The New Yorker, explained, and I quote, "In the context of Parisian couture after the war, the stores and firms of copyists came from America to carry off the toiles that would serve as patterns for custom-made reproductions for the benefit of wealthy women who couldn't get to Paris. Women who couldn't afford the custom-made models bought off the rack copies in department stores and so on down through the wrong end of the telescope to the base of the fashion pyramid, where a lot of ordinary girls dreamed of marrying a prince, as Grace Kelly had, and so getting to wear Balenciaga clothes. This trickling down from Paris constituted fashion, and fashion with a capital F there, for American women in the post-war period. There wasn't any other kind." As Bettina Ballard complained, the American manufacturing industry became so efficient during the post-war period that, quote, "it turned Balenciagas and Diors into American Fords, generally under a Seventh Avenue label and often in the best imported fabrics." And I should explain, Bettina Ballard is a fashion editor for Vogue during this period, so she knows what she's talking about. So thus, in featuring American copies rather than Parisian originals, it could be argued that Vogue was simply reflecting the growth and newfound omnipotence of this imitative Franco-American ready-to-wear industry. But Vogue's editorial preference for American adaptions of French couture was also encouraged by the advent and proliferation of boutique lines in this period. And my speaker before me has written some excellent scholarship on this. But just to sum up in a nutshell, the imitative Franco-American ready-to-wear sector received a new form of validation during the post-war period as the French fashion houses themselves began to open their own ready-to-wear diffusion lines in the 1940s and 1950s. This revolutionary new development is clearly discernible in Vogue's post-war commercial content, so in the adverts that appear in the magazine, as the Dior House in particular repeatedly advertised its more affordable licensed products in the periodical during this period. So to give you a few examples of what they look like, this is an advert for a mink, this is an advert for a mink coat that was, again, designed by Christian Dior. This is in the December 1950 issue of Vogue.
This is my favorite. It's pretty good. It's hard to beat that one. And there's a lot going on, which unfortunately I don't have time to unpack. But this is another advert, so another Dior Mink, again on Seductive Show in December 1955. And earlier this that year, this was an advert for a Christian Dior coat. From an issue earlier that year. Now, the important thing to notice with these is, once again, even in the adverts, you're trading on the name. It's only when you look at the fine print that you notice it says New York. These licensed Dior products irrevocably shaped and altered the fashion business. As Dior explained in his autobiography, when his first Parisian boutique opened in 1947, customers could, and I quote, acquire a few choice trinkets, such as jewels, flowers, and scarves, alongside the more expensive couture pieces. But these trinkets became a formalized and essential component of the Dior business and the Dior brand. As Dior himself acknowledged in the mid-1950s, all these activities which are now associated with my name, the stockings, gloves, and perfumes, have become such a success that their rise to fame has been parallel to that of the house itself. The immediate success of Dior's boutique line ensured that other couture houses quickly developed diffusion lines of their own. And this post-war development adds an extra layer to that already complex transnational hierarchy of the Franco-American system. So as Dana Thomas argues in her book Deluxe, the French couturier's spin-off lines usher in, and I quote, a new pyramid model. With made-to-order couture at the top for the truly transnational rich, the new ready-to-wear by the same French designers in the middle for the middle class, and these compete directly against the pre-existing American ready-to-wear copyists, as well as a broad array of French fragrances at the bottom. In an era when French masters embrace the affordable copy themselves, then, it is not surprising that Vogue became preoccupied with cheaper American adaptations rather than French originals. So, thus it could be argued that Vogue's post-war preoccupation with cheaper reproductions rather than expensive Parisian couture reflect two key post-war developments: the expansion of the Franco-American ready-to-wear trade and the advent of these boutique lines which reinforce this system. Like Vogue, however, both New York's 7th Avenue garment trade and the French fashion houses were themselves responding to a deeper underlying dynamic in post-war Americans' consumer habit, and that's what I'm going to argue here. So it's symptomatic, in other words. Four, although newly enriched by the post-war economic boom, articles in Vogue noted an unusual unwillingness amongst American women to splurge upon expensive clothing. As early as October 1945, Vogue acknowledged that, quote, no woman of taste in these days wishes to look as though she had spent a great deal or some of money on her clothes. Time, ideas, thought, yes. But something in the spirit of the times, an unwillingness to flaunt our national good fortune, a sort of international good taste, prevents a woman from appearing comfortable in clothes that are obviously outrageously expensive. Or as another 1947 article in the periodical noted, quote, a ready-made costume can cost from hundreds of dollars to less than five, but about three quarters of the dress dollar volume in the United States is currently spent on dresses from $9 down. In the post-war period then, American women overwhelmingly shopped at the lower end of the bracket when it comes to their attire. Now, just to contextualize that, such consumer restraint was very unusual in the midst of an economic boom in post-war America. As American historian Elaine Tyler May has noted, between 1945 and 1950, American spending on consumer goods increased by 60% overall, yet spending on clothing in the same period only grew by 20%, so comparatively quite contained. By contrast, the good old American home received the most lavish fiscal investment during this period, with American spending on household furnishings and appliances increasing by 240% overall. The restrained approach to clothing, therefore, was anomalous in post-war America. But this consumer temperance was a byproduct of a broader resurgence of class competitiveness, and I'm going to explain what I mean by that.
enriched by the post-war boom, as those of the lower and middle classes increasingly began to move into the middle and upper middle or upper classes, the desire to advertise this upward mobility proliferates within the United States. As a result, a fundamentally status-driven approach to clothing becomes especially acute in mid-century America. And as Vance Packard noted in this best-selling book, which came out in 1960, The Status Seekers, An Exploration of Class Behavior in America, assured of their status, and this is where I'm quoting, American women of old money families tend to be relatively indifferent to swings in fashion, with their taste being orientated to more to that of the British upper classes than to the French. Generally, they prefer a timeless, tweedy look, in inverted commas, over a fashion-forward, daring look, again, in inverted commas. By contrast, in their bid to assert their newfound wealth, Packard noted that, and again I quote, new money women, inverted commas, there's lots of that in the book, are fascinated with high fashion, especially as it is dictated by Paris. Particularly amongst those of the semi-upper class level, he noted, you will find a great deal of striving to demonstrate variety of wardrobe, a practice particularly true among club women in the Midwest. As they go to their various club activities, they keep running back home to change their outfits so they will be more in keeping with setting, time, and mood of the occasion. Now, although Packard focused on the sartorial distinctions at the upper end of the social spectrum, the sartorial class striving that he noted was common to new money also applied to those further down the food chain. In their bid to demonstrate and thus solidify their new middle class status, many American women also churned through clothes to keep up with the latest Parisian trends. Indeed, as Dior noted of the average American woman in the 1950s, and I quote, she prefers three new dresses to one beautiful because she knows perfectly well her fancy will be of short duration. And this is because, and again I quote, the dress or dresses which she is in the process of buying will be jettisoned soon. So, in short, Dior concluded, American women in the 1950s are, and again I quote, most attracted by variety and frequent change, end quote. And this is something he capitalizes on aggressively in his move into the American market. An article published in the February 1948 issue of Vogue concurred with Dior's evaluation. So, Vogue knows this is going on with American consumers. Whilst the piece acknowledged that, and I quote, the American woman has a visible appreciation of fashion and beauty, of cloth and workmanship, end quote, in the competitive rush to remain sartorially current, it also noted that, and I quote, she wants what she wants quickly. She hates fittings, waiting. She has that great American trait, impatience. She likes to try it on before she buys, and if she likes it, to walk out with it. Even when she pays prices in the made-to-order range for unusual designs, material, workmanship, the pure availability of dress is the greatest factor in her decision. It was the impatient obsession with keeping up with the Joneses then that made American women in the post-war period unwilling to wait for or invest in French haute couture. For although passionate about French design, if one wanted to keep up with the latest Parisian trends, investment in fewer expensive items, which would then need to be repeatedly worn, was simply not a viable practice except for the very, very wealthy. And this fiscal benchmark is, I think, really notable in Mamie Eisenhower's approach to attire. So, like so many American women, Mamie, who occupied the position of First Lady in the United States from 1953 to 1961, was a passionate but prudent devotee of the new look throughout the 1950s. Not that you'd know it by looking at her, I have to say. By the way, this is the best photo I could find of her. I looked, but I tried to do her justice. Yet, although as First Lady, Mamie could certainly afford to splash out on the French original she viewed at the Parisian fashion shows she regularly attended, she would come across to Paris every season to look at them in person in the front row. She refuses to splurge the money on buying them. The reason she gave for this refusal was simple, and I quote, "Can you see me paying $700 for a dress?" End quote.
Mamie was happy to shop until she dropped for clothes. She was famous for being an unrepentant clothes horse. She put Jackie Kennedy to shame, by all accounts. But for her, as for so many American women, original French couture was irreconcilable with the fast and furious game of status-driven fashion. So, to conclude, I think a focused case study of American Vogue, therefore, makes plain the complex social, cultural, and economic dynamics that profoundly structure and shape how Parisian haute couture is transmitted and was transmitted during its post-war passage across the Atlantic. The transnational dissemination of Parisian haute couture was transformed by a variety of developments in both national and transnational spheres during this period, and they intersect in unexpected ways. So you've got an unprecedented post-war economic boom within the United States, simultaneous innovation to the international fashion business model, and the growth of idiosyncratic post-war consumer habits within the United States. More broadly, I think this case study also highlights how Parisian haute couture, once it leaves France, is shaped by a variety of complex and disparate dynamics as it moves through economic and cultural circuits in the wider world.